21h30, c'est maintenant, avec 7 minutes de retard. On est là, on est présent pour fêter cette cérémonie des Ballons d'Or eSport FA, les amis. On est là. Voilà, cette année, elle s'est déroulée sur FIFA 21. On s'est battu pendant toute l'année. Vous avez été, mais plusieurs centaines, voire même peut-être le millier, hein, à nous suivre, à jouer, à regarder, à se passionner pour ce club pro. On a eu le grand vainqueur, les grands vainqueurs, l'équipe gagnante du main event à la fin de l'année. Mais avant, enfin après ça, voici le moment que vous attendiez tous, les distinctions personnelles. Eh oui les amis, comme vous le savez, j'en profite pour vous saluer déjà tous, tous ceux qui sont ici présents dans le chat. Ça fait plaisir de vous voir, que ce soit Stormy, que ce soit Très Utopique, Kevblock, Presco, Booster et tous les autres, Firmino, Vervalski, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Maintenant, passons du coup bah, plus ou moins aux choses sérieuses. On va garder un petit peu de suspense. On va vous présenter pas forcément toutes les catégories. Mais avant tout ça, voilà, on vous a présenté un petit peu comment la soirée allait se passer. Maintenant, oui, le costard. Oui, monsieur Samigno, le costard est sorti. Exactement, on est là. On est présent et présentable, c'est le plus important. Aïe, aïe, aïe. Donc du coup, voilà ce que je voulais vous proposer, c'est déjà de dire bonjour aux gens qui sont ici avec moi, justement dans le vocal dédié à eSport FA. On va déjà saluer Tom qui est venu nous rejoindre. Salut Tom, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi, ravi d'être avec vous ce soir pour présenter cette soirée, pour commenter cette soirée surtout. Ah oui, un Tom que vous connaissez maintenant au fur et à mesure de cette année, il a su s'imposer sur la chaîne comme le plus grand statisticien eSport FA. Et ça nous fait plaisir de l'avoir justement ce soir. Il pourra peut-être nous aider avec son avis éclairé. J'en profite, je vois qu'il y a du monde qui rejoint maintenant un petit peu dans la buvette pour pouvoir discuter, dialoguer, débattre de tout ce qui a bien pu se passer. Et oui, Stormy, on entend Tom correctement, hein, ça fait plaisir, sans bug, nouvel ordi, nouvel investissement. Ça donne beaucoup pour eSport FA 22. Moi, je vous préviens tout de suite. Je vois qu'il y a Clooney, justement, qui est dans la buvette. Clooney, comment tu vas? Est-ce qu'on l'entend? On passe, alors, du coup, c'est pas grave. On a Moustaki. Moustaki, si tu peux te démute. Moustaki, toujours là, hein, pour, justement, nous accompagner avec sa bonne humeur. Moustaki, tu vas bien, j'espère? Ça va, super. Hein. Moi, je suis en pyjama comparé à toi, donc tu vois, on n'a pas la même dégaine. Ouais, c'est pour ça qu'on m'a demandé à moi de présenter justement ce soir et pas à toi. Mais bon, t'inquiète pas, hein, je sais que le fond d'écran, le background SC Toulon, Plus beau, le voilà. plus beau. Le meilleur, bien évidemment. Bien sûr. On en profite, ça continue, ça continue. On a l'un des gardiens qui est nominé justement dans la catégorie Golden Gloves, qui est muté justement, bah, Presco. Si tu peux te démuter et venir saluer un petit peu tout le monde, déjà, Presco, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir, ça va très bien et toi? Ah, super, super. Une question, un petit peu stressé pour ce soir? Absolument pas. Non, absolument pas. Tant mieux, Non, hein. C'est déjà une distinction personnelle de faire partie de ce top 10, j'imagine, pour toi. non. Ouais, c'est clair, c'était mon objectif. Donc maintenant, le classement, c'est que du bonus parce que de toute façon, ça va être Wissam qui va être élu. Donc, Aïe, aïe, voilà aïe. quoi. Ça ligue déjà, ça dit déjà les possibles gagnants. On verra. En tout cas, voilà. Pas d'inquiétude là-dessus. On vous a gardé du suspense déjà pour savoir qui seront les principaux vainqueurs des quatre catégories. Je répète les quatre catégories que nous allons présenter. La première, déjà, on aura le meilleur rookie. Le gars qui s'est imposé dans l'année, qui a commencé eSport FA. Alors, on rappelle. On rappelle. On a, comment dire, la personne qui a fait toute l'année eSport FA 20 ne pourra pas être éligible pour 21, c'est logique. Mais une personne qui a fait juste la Q2 ou la Q3 d'eSport FA 20 et qui a connu durant toute l'année eSport FA 21 est éligible pour justement le rookie de l'année. Et oui, évidemment, vu qu'il aura fait une année entière. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a des noms dans la liste qu'on connaissait déjà d'eSport FA 20, mais qui ne pouvaient pas être déjà rookie à ce moment-là, qui le sont pour le 21. On aura ensuite, comme on l'a dit, la présentation des 10 meilleurs GK de l'année, selon les votes de tout le monde, justement, 10 GK qui vont se partager le titre
deux Golden Gloves, il n'y en a qu'un seul qui va repartir avec le trophée, qui a été le meilleur gardien d'Esport FA 21. On aura ensuite, bah bien sûr, le meilleur GM, celui qui est là depuis le début pour accompagner, dicter un petit peu la tactique qu'il faut pour s'imposer, recruter, vendre certains éléments, le meilleur GM. On a bien sûr toute une liste, on va vous les présenter par la suite. Les meilleurs GM sont là, sont bien présents hein, dans cette liste. Et c'était très difficile, bien sûr, d'en avoir un. Je vois que voilà, ça parle de Saken Ballon d'Or, Firmino. Alors Saken Ballon d'Or, peut-être sur l'ancien FIFA, sur celui-là, il est déjà sur la liste. Attention, à voir par la suite. Pourquoi j'ai rebondi là-dessus? Parce que justement, la plus grande des catégories, la catégorie reine, le meilleur joueur de l'année, le Ballon d'Or. Qui sera le Ballon d'Or cette année? On rappelle la grande finale hors FDA. On a de grandes chances d'avoir parmi ces deux équipes le vainqueur du Ballon d'Or cette année, le vainqueur du trophée. Et ça, croyez-moi, je suis hypé. Je suis particulièrement hypé. Tom, j'ai une question pour toi, Tom. Pour cette présentation justement des Ballons d'Or, est-ce que, on va dire, parlons déjà des GM, est-ce que tu as pu justement, je te mets sur un terrain inconfortable, hein, y a pas de stats, y a rien. Eh oui, je sais, c'est pour ça, c'est fait exprès. Est-ce que tu aurais déjà, justement reçu des petites infos croustillantes à droite, à gauche sur l'implication de certains GM tout au long de l'année ou un avis extérieur peut-être justement sur le travail de ces messieurs? Alors, des infos croustillantes extérieures, non, j'en ai pas. Un avis extérieur, j'en ai un forcément. Yes. Tu as parlé de cette finale FD Orcs, ces deux équipes qui ont fait un boulot magnifique. J'ai aussi une pensée pour les demi-finalistes. J'ai le nom qui m'échappe d'un coup, là, comme ça. Il y a qui, Pandore, peut-être? Non, l'autre. qui a battu Nantes en quart de finale. C'est Atlantide Wave. Qui a aussi fait une belle saison, c'était fort. Donc voilà, je dirais ces trois là dans mon top 3, ce serait pas mal. Ok, d'accord, au moins c'est dit, au moins c'est fait, c'est partagé comme avis. On rappelle ceux qui ont pu voter justement pour cette cérémonie. Alors qu'on m'arrête si je me plante, mais il me semble pas. C'était les GM, justement. C'était les 5 personnes qu'on a vu le plus, 6 personnes qu'on a vu le plus ou moins dans le chat eSport FA, des viewers, des joueurs également, hein, bien sûr. Et qui ont leur avis. On veut les noms. Vous voulez les noms. Chaban, salut. Il y en a beaucoup. Il y a Moustaki, il y a Manes, il y a Presco, il y a Nice Tom. Et salut aux gars du chat, je viens d'interrompre, Chaval, beaucoup d'aime un petit peu, c'est le dernier live, le gros live de l'année, je suis un petit peu, je voulais faire le bordel. Eh oui, évidemment. Et du coup, c'est qui les 6 viewers, là, les vrais, les ultras? Ah, les ultras, les sports FA, c'est vrai qu'on les compte donc au nombre de 6, mais en vrai, ils étaient bien 6. Eh oui, c'était pour gagner un petit peu de temps, pour avoir la liste sous les yeux, du coup... Parmi les 6, on avait Size, le gorille, on avait Dizzy, la grande gueule d'Orx, Xenox également, qui était assez souvent dans le chat également, on avait Dime, Tom, RC Lance, ainsi que Presco, du coup, le gardien de SGS. Voici pour les 6 noms. Donc les GM, Misa, hein, si c'est bien ça, ainsi que les membres du staff, 10 membres du staff qui pouvaient voter, si je ne dis pas de bêtises. Exact, tout ça sous la supervision du superbe travail de Samas, tout juste promu il y a quelques semaines en arrière, qui a pris le relais après Ali. Et voilà, il nous a concocté une adaptation du règlement par rapport au nombre d'équipes qu'il y avait cette année. Et c'est plutôt bien, et d'ailleurs il a préparé une très bonne charte là pour s'appuyer dessus, qui vous présentera prochainement. Et pour terminer, Chaban. Oui, dis-moi. Tu vas présenter les 5-6 distinctions que tout le monde attend. Et, c'est ça, je voulais en venir justement. Je te laisse l'annoncer. Qui va y arriver encore d'autres distinctions. Il y aura 3 distinctions supplémentaires. On les a un petit peu laissées en last time pour pas qu'ils soient leakés, ceux-là. Du coup, soyez au rendez-vous, les gars. Il y a 3 autres distinctions qui vont arriver durant la soirée. Et
Voilà, je te laisse, Saban. Je repars boire mon café. T'en fais pas, bon café Misa, merci d'être passé, d'avoir salué justement toute la communauté eSport FA. C'est vrai que Misa, on avait l'habitude de le voir souvent justement rentrer dans les vocaux, faire des « Oh, quel but! Magnifique !» Et voilà, et ça, du pur Misa comme on aime quoi. Et bah, on a hâte de le retrouver justement aux commentaries de matchs endiablés comme on pourra l'avoir, je n'en doute absolument pas, l'année prochaine. Il l'a dit, hein, trois distinctions personnelles qui seront un petit peu différentes de d'habitude. Beaucoup de surprises. Mais avant ça, ce que je vous propose, Tatane, je ne sais pas si on t'entend ou si à la réal tu restes juste dans l'oreille comme des fois durant les matchs. Mais ce que je te propose, c'est qu'on parte sur une petite interview si jamais. Si c'est possible, bien sûr. En attendant, bien sûr, sur les distinctions, j'en profite, hein. Celle-là, elle est à moi. Celle-là, elle est à moi, je vous préviens. Ok, la France, elle en a deux, elle a deux étoiles. Mais celle-ci, cette Coupe du Monde, c'est la mienne, personnelle. On prend tout ce qu'il y a d'or, on le ramène, hein, bien sûr. Je l'avais préparé juste là, hein. Vous l'avez bien vu. Donc du coup, on peut partir sur déjà la... Oui, excuse-moi. Allez, sur les 40 secondes sur une interview de Wesco, si j'ai bien compris. Nickel, voilà, c'est ça, Wesco. Wesco, défenseur gauche, piston chez Orks Grand Poitiers. Très satisfait de ma première saison sur Play. Ok, 4 d'accord, finales, pas loin. une victoire, 3 Tu peux défaites, un peu de regret par rapport à la m'envoyer des. finale contre Patate, tu FDA, peux m'envoyer mais des résultats clairement un peu comme gagné. ça, je récupère quelques stats et Concernant ma nomination, si ça t'intéresse, ça Ballon va dans le d'Or, très très content de faire partie des 30 Ouais, Ballon meilleurs d'Or, joueurs, Golden Globe, en espérant que ce GM. soit quelqu'un de chez Ma Orks Manette, qui repart avec le trophée. Manette, je te présente. Les amis, magnifique! Eh oui, Denki veut que je fasse un freestyle en costard! C'est quoi ça? Non, non, absolument pas! Oui, on a oublié de couper le son, Stormy. Vous avez même le bac! Si vous imaginez, hein. Bon, désolé à Wisco, hein, sur qui du coup on a parlé, mais c'était intéressant, obligé le freestyle. Non, non, pas pour le ballon d'or, voyons, à la rigueur le micro d'or. Mais bon, après mon micro-ondes, il est en train de tourner Entre-temps, c'était qui ça? C'était Wesco, justement. Wesco, joueur de l'équipe de Orks Grand Poitiers, qui se livrait justement sur cette cérémonie et sur ses impressions personnelles. On va revenir sur la cérémonie, on va parler bien sûr du coup de la première liste, les premiers joueurs qui vont être présentés, les premières distinctions. Les trois autres dont on a parlé vont être. Bien sûr, bien par la suite, hein, bien évidemment. On va pas les présenter tout de suite, ce serait dommage de gâcher. En effet, hein, Thomas Ercellan, c'était bien. Wesco, tu le connais, hein, c'est ton collègue du coup. Et voilà, pour les premières distinctions. Alors, qu'on se mette d'accord. Voilà, on les a ici, c'est parfait. Les 10 nominés pour le Golden Gloves. Alors, bien sûr, en premier, vous le connaissez, hein, Wissam. Wissam, qui a un lobby énorme, tout simplement dans le chat, hein, on voit des gens militer pour lui, pour le poste de Ballon d'Or. Si on rappelle bien, j'avais moi-même justement à vote ouvert, parce qu'on était Moustaki, Tatane et moi-même sur la chaîne eSport FA avec nos propres votes qui étaient publics, alors que tous les votes étaient privés, hein, on le rappelle. J'avais moi-même mis justement Wissam Ballon d'Or, on le verra bien pour la suite, aura cette distinction, mais là on parle des Golden Gloves. Golden Gloves. On aura donc Wissam, le gardien de Orks. Geronimo. Très 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 bon gardien qui a joué du coup du côté de FDA et de MGFC durant l'année. Kiri aussi, hein, qui a été bien bien présent cette année. Azur sur sa ligne. Voilà, on n'en parle pas assez, hein, Azur. Les pénaltys, les arrêtés aussi énormément, mais également voilà sur sa ligne, les arrêts réflexes, le gardien de Dijon qui leur a sauvé pas mal de points. Presco, on l'a introduit, on l'a présenté, le gardien de SGS. Privy, le gardien de l'Azoria. Baby Chao également qui a fait partie de l'équipe dont Tom avait oublié le nom. Atlantide Wave, demi-finaliste.
On a également Stoumi. Alors Stoumi, rappelez-moi l'équipe, je suis désolé, excusez-moi. Hein. J'ai mes fiches qui sont totalement en mauvais ordre. Personne dans le vocal pour me... C'est Lyon, je crois. SC Lyon, on me dit. SC Lyon, voilà, parfait. On avait du coup Winerin également. Alors, je me suis mis vraiment dans l'embarras à vouloir dire toutes les équipes de tous les joueurs. Eh oui, je sais. Parce que, voilà, et Kev Block également. Kev Block, voilà, Winerin, Zephyr et Kev Block. Kev Block qui, justement, a fait partie de l'équipe d'NBD et qui a tout donné, hein, malheureusement, pour son équipe, qui a été un petit peu plus basse que ce qu'on pensait au début de l'année. Et voilà, il a été le dernier rempart. Alors, parmi ces 10 nominés aux Golden Gloves, on a déjà fait un petit sondage où on a pu justement présenter un petit peu à la communauté, demander des avis, qui allait justement prendre la tête. Et sans surprise, bah, c'était justement Wissam. On va en profiter pour présenter, introduire Maness. Maness qui est mute, voilà, magnifique. Maness, déjà, salut, merci à toi d'être venu, hein, Maness, joueur et membre du staff de la Pandore, comment tu vas? Bah, ça va et vous? Ça va, super, merci beaucoup. Alors du coup, toi, dans cette liste des Golden Gloves, et oui, il y a ton GM qui est là, qui fait « Oh Maness, Soto Maness, on l'invite, évidemment, évidemment !» Il faut. Alors dans cette liste des Golden Gloves, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui t'auraient justement surpris de par leur niveau ou alors qui auraient confirmé justement le grand niveau qu'on attendait d'eux durant l'année? Bah après, il y a des noms, ils ressortent, c'est des noms qui sont là depuis un moment, on les connaît. Après, il manque des noms, je trouve. Il manque des noms de mon équipe. il en manque, mais non, la plupart qui sont dedans, c'est des bons joueurs. Hein. C'est vraiment tous des bons joueurs, c'est dur de les départager. C'est ça, ouais, surtout au niveau des gardiens, c'est très très dur de, il y en a beaucoup des gardiens de les départager. Et ouais, c'est un poste que t'as pu tâter toi un petit peu, le poste de gardien. On sait que c'est très GK. Très particulier. Ouais. Moi j'ai joué GK, il fut un à Estudiantes à la première saison UEFA, la bêta, la première. Ok. J'ai fini champion avec Estudiantes. Moi j'avais mon ancien PSN à l'époque et ouais j'étais GK ouais. Ah ouais, voilà. Hein. J'avais remplacé Brian du 9-3 pour ceux qui connaissent les anciens. Voilà. Les petites histoires de l'époque, ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir. En parlant de l'Estu, justement, on salue You qui a coaché Domingo ce soir. Hein, voilà, on aurait aimé l'avoir. Je sais que vous êtes plein à aimé avoir là à ma place. Malheureusement, là, j'aurais aimé être à sa place. Hein, si on avait l'occasion de switcher, j'aurais pu coacher Domingo au poker. Malheureusement, je ne sais pas s'il aurait gagné. Mais chose est sûre, c'est que voilà, ça aurait été avec plaisir. Durant cette présentation à chaque fois pour chaque cérémonie Maness et tous les autres, hein, sachez qu'on a fait un petit top 5 justement et on va procéder par élimination, donc justement de la dernière place à la sixième place avant de vous garder, de vous hyper jusqu'au possible pour ce top 5 dans les 4 catégories. Est-ce que toi t'étais là déjà pour la présentation de l'année dernière Maness? Non, franchement je m'en rappelle plus, je pense que je devais être autre part mais j'étais pas là. Ok, d'accord. Ah, parce que justement, on a essayé d'y ressembler en rajoutant encore d'autres choses. On a vu que voilà, ça, c'est une cérémonie qui était très attendue. Donc, on a taffé le truc, hein, tout simplement. Tom, dis-moi, peut-être de ton côté, toi, au niveau des Golden Gloves, est-ce que t'as 2-3 infos, 2-3 stats entre ces gardiens? Ou de nouveau un avis personnel? Je suis en train de les récupérer, les principales stats de ces gardiens. En tout cas, on a vu de beaux arrêts toute la saison et il y a eu de nombreux gardiens avec près de 1 à 2 arrêts forts par match. Et ça veut aussi dire pas mal de choses parce que quand tu es capable de faire un arrêt en face à face alors que ton équipe, bah, soit elle mène, soit il y a un match nul à ce moment-là, Ça te permet de rester dans le match. On parle souvent des attaquants qui marquent. Alors, on en a beaucoup parlé pendant toute cette saison, de tous ces buteurs, de ces joueurs extraordinaires qu'on va avoir le plaisir pour la plupart de retrouver pour le Golden Boy. Mais il y a aussi ces gardiens qui sont capables de faire des arrêts en face à face. J'ai plus le souvenir des instants précis, mais on en a vu pendant ces playoffs. Et le gardien qui va l'emporter, bah, il aura un peu mieux fait que les autres, mais il y en a 3-4 qui mériteraient largement de,
de l'emporter, ça c'est sûr. Ah oui. Ouais, c'est toujours compliqué, hein, le rôle de gardien, il n'y en a toujours qu'un seul, bien, comme toutes les distinctions, mais même sur le terrain, il n'y en a qu'un seul, pour justement, des fois, de niveau équivalent. Donc, on retrouve un petit peu la même concurrence sur le terrain que lors des récompenses. Ça va être très, très serré, justement, pour ces cérémonies. On parle de Golden Gloves, du coup. On va passer à la troisième catégorie, catégorie non des moindres, très très importante, parce que c'est une des catégories qui ramène, et merci pour le follow, Metsudo Nokiba, et catégorie que je disais très importante, étant donné que, justement, elle s'appuie sur l'avenir, sur, justement, tout ce qui peut arriver par la suite sur le Club Pro 11v11, sur la PlayStation, et surtout sur la Regala d'eSport FA. C'est-à-dire le rookie qui a été le meilleur rookie de l'année. Ça, sachez-le, que c'est très très compliqué aussi de savoir, ne serait-ce que de faire un top 5. Déjà, dites-moi dans le chat, hein, dites-moi dans le chat pour ceux qui sont là, top 3 gardiens, et, parce que vous avez vu la liste, votre top 3 gardiens, et après on va parler justement de votre top 5 Golden Boy. Et ouais, tu peux, pas de soucis, hein, la liste pour les Golden Boy. Donc, parmi les Golden Boy, on avait Wisco, que vous avez vu, hein, l'interview justement. Ace, qui a fait des ravages cette année. Ace, l'attaquant d'FDA. Avec, bien sûr, ses collègues, hein, Capone. On va y retrouver justement aussi Soso et Boxster. Jessim, Cafou, là je vais pas me faire avoir. Sanchez, Vervaskill, qu'on le voit, hein, dans le chat justement. Ouais. Le patron de la passe en profondeur. Je sais que ça te fait plaisir. Blackstar également, hein, du coup, Manes. Ah, c'est eux les meilleurs dans la liste, c'est eux. Aïe, 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 aïe. On a également eu de l'autre côté, hein, du tableau Barbossa, qui a fait une très très bonne Q2, Privy, qu'on a vu justement dans les meilleurs gardiens. Guigou 93, qui a su justement aussi bien tirer son épingle du jeu. Deux autres gardiens, Baby Chao et Azur. Koundé, le défenseur de FDA. Taiga, Nezia, Adama et Tico, The Tico Beast, qui sont les 20 nominés au Golden Boy cette année. Une grosse, grosse liste, hein, Manes. Alors, ouais, est-ce que j'étais muté, franchement ? Il n'y a que des gros noms. Après, les noms, ça ne veut rien dire, mais quand j'en vois, là, certains, c'est du costaud. Hein, c'est du costaud. Ah oui, en effet. Bon, hein. On espère que c'est Vervalski ou Blackstar qui va repartir avec le trophée. Hein. On soutient. Normal, incorporate le Manes. Il a raison. Il a raison. D'ailleurs, Pandore qui justement avait fait une très très bonne opération, hein, en se qualifiant en demi-finale de la dernière compétition. C'est sûrement pour ça aussi que vous avez des joueurs qui sont nominés à la fois dans plusieurs catégories. Et le GM Styx, qu'on va voir par la suite dans la liste des meilleurs GM. C'est lui qui doit être nommé, c'est pareil. c'est un gros taf que vous avez fait cette année, justement. En fait, c'est beaucoup, c'est du travail de l'ombre, tu vois. C'est vraiment un travail de l'ombre. Il y en a, ils pourraient croire que c'est pas grand-chose, mais les GM, ceux qui sont vraiment GM, ils savent qu'un mec comme Styx, ou comme on avait à l'exception 04, qui est parti, yes, mais qui était avec nous dans le staff, c'est un travail de ouf, en fait, pour de vrai. Franchement, ouais, c'est un deuxième taf, hein, limite. Juste de les voir dans la liste des nominés, franchement, c'était déjà, entre guillemets, une petite récompense personnelle, tu vois. De voir que quand même, on a taffé, personne ne nous voyait où on est arrivé. Et on a réussi à quand même faire un joli parcours. Ouais, justement, hein, c'est vraiment les nouveaux noms qu'on a pu sortir cette année. Pandore, une équipe que pas grand monde voyait. Je me rappelle quand il fallait justement faire les petits votes. C'est pas forcément l'équipe qu'on mettait gagnante. Merci à la boule pour le follow. Et ouais, c'est vous avez fait la surprise, justement. Après, est-ce que ça sera suffisant? On verra bien. On verra bien, comme on a dit. Il y a eu pas mal de votes, justement. Il y a pu avoir des votes très éclectiques, des votes... Tout le monde a pu voter un peu pour tout le monde, hein, faut le dire, dans ce classement. Ouais. Et on verra par la suite, hein, qui ont été les nominés. Dites-nous dans le chat, Golden Boy, pour vous, un petit top 3 ou un petit top 5, hein, n'hésitez pas, allez-y. Déjà, on va voir vos réponses, parce que je vois Ayoub qui fait justement, lui, sa propagande pour... qui fait sa propagande pour Wissam. Et voilà, hein, là pour l'instant, dans le chat, il y a Stormy qui nous dit Stormy, Mousta, Saban. Alors, pour le Golden Boy, honnêtement,
Ouais. J'aurais peut-être mis Mousta quand même en troisième parce que. J'aurais gardé le même top 3, mais j'aurais mis en. Je sais pas, frérot, pourquoi je suis troisième? À chaque fois, tu me mets troisième. Je vois un top 3, Ayoub, Verbaski, Presco, Ace, Blackstar, Nezia, Wissam. Voilà, c'est réglé, hein. Metsudo no Kiba ou Wissam. C'est. Yeah, Wissam, il a fait de la pub, hein. Merci à toi en tout cas, parce que du coup, on a quand même quelques viewers en plus. Et on a une demande pour toi, Manes. C'est Kevin qui nous demande si tu pouvais lui acheter des gants pour la saison prochaine. Alors, peut-être pour la manette, pour avoir plus de grip, ou alors pour la balle. À toi de voir laquelle des deux tu préfères. Il y en a une qui coûte moins cher que l'autre, si tu veux mon avis. Et ouais, donc du coup, voilà, cette deuxième catégorie. On va présenter la troisième, tant qu'on est pour la balle, du coup, voilà. On va présenter la troisième catégorie, celle des General Managers qui vont justement pouvoir être présentés sous vos yeux. La liste que vous avez eu le temps de voir justement sur les réseaux, sur Twitter, sur Insta aussi. Et que vous allez avoir justement sous les yeux d'ici quelques secondes. Maintenant, voilà, 15 nominés pour les Best GM. On aura déjà l'inévitable Saken. L'enfant lyonnais, le néo-lyonnais, on va dire, hein, qui est arrivé après un départ en catastrophe de Orcs. On se rappellera justement de ce moment de trouble dans cette équipe qui a su rebondir justement et remonter. Et lui, de son côté, qui a pu remonter Lyon. On parle de Orcs, pourquoi? Parce que juste en dessous, il est là, c'est Picsou, bien évidemment. Très très fort dans l'entrejeu, mais également dans la direction. Apparemment, il est nominé dans les 15 meilleurs GM. Royce, RR, comment ne pas le présenter? Wissam, voilà. Non, moi je le dirai pas, mais en tout cas, il y en a un qui a follow, et merci à toi. Je me ferai pas avoir. Neza qui est dans la liste du coup des 15 nominés. Lui qui a fait un bon taf avec Van, justement. Bunny, très très fort aussi. Hein. MGFC, il a réussi à les récupérer et ça a été compliqué au début, c'est sûr. Mais après, le temps d'adaptation, il a réussi à faire une très très belle équipe et à jouer aussi les gros bras en fin de qualif. Hein, on va en profiter pour parler de Samino. On est obligé justement de parler de Samino et du FC Nantes, de Fred également. Fred qui a fait un travail mémorable aussi avec Grasse, la Huche avec Bergerac. 3 trophées pour la Huche cette année. Peut-être 4 avec l'Euro 2021 qui arrive. On sait jamais, hein, la Huche. Bon courage à toi pour cet Euro. Stiggs, je sais que t'attendais ça, Manes. Stiggs, l'homme de l'ombre, hein, comme tu dis. L'homme de l'ombre. Le pâtissier. Le patron. C'est le patron. Ouais, c'est lui le patron. Eh oui, le grand patron du coup de ta structure, Kazé. Qui a fait un travail aussi mémorable avec Atlantide Wave, hein, première année d'Atlantide Wave. Pato qui, avec justement NBD, ça a été coussi coussa. Il y a eu de très très bons moments et d'autres un peu moins bons, comme justement Madrid avec Toulon, Jesse avec Estudiantes. Jesse, membre d'honneur d'Esport FA, hein, même plus d'honneur, président d'honneur d'Esport FA, il est partout, Jesse. Et ça fait plaisir de le voir encore nominé après les années qu'il a dans le club pro. Et Benzo pour le travail qu'il a fait avec SGS, cette qualif inespérée pour les playoffs qui finalement a été activée, a été validée. Les 15 nominés pour le trophée de meilleur manager, ils sont là. Il n'y en aura qu'un seul, il y aura 3 personnes sur le podium, mais il n'y aura qu'un seul sur la première place. Et ça, de nouveau, hein, gros choix, gros défi de savoir qui parmi ces 15 sera... On sait à peu près qui sera devant les autres, bien sûr, mais il y a toujours des blocs. Il y a toujours des blocs. Tom, c'est très très compliqué, hein, justement, de parler des GM. On en avait parlé, là, justement, en début de live. Là, maintenant que tu vois la liste, tu sais que, voilà, c'est très serré. Hein. Ah bah, de toute façon, on sait très bien que ça va être très serré. On sait que ce rôle de GM, il est très difficile. On doit choisir entre parmi une quinzaine de joueurs, ceux qui vont débuter, ceux qui vont attendre un ou deux matchs, peut-être, voire pas du tout jouer de la soirée. Yes. Et de ces choix va dépendre aussi le résultat de la soirée.
J'ai le souvenir de ces playoffs, des choix qui avaient été très surprenants du côté de FDA. Pendant les quarts de finale, on en discutait avec les GM. Il y avait l'un des meilleurs passeurs du championnat, je ne sais plus son nom en tête, qui n'avait pas commencé. On avait demandé, on fait des choix, ça on fait tourner. Parce que, ouais, je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'était du côté de FDA que ça avait tourné ou un truc comme ça. Mais voilà, ces choix-là, en fait, ils sont toujours difficiles. On parle toujours du rôle de l'entraîneur en foot. Avec ses choix qui pèsent ou pas et qui font qu'on est viré ou pas. Là, c'est un peu plus cool, entre guillemets, mais le choix du GM est important. Et au final, quand on voit qu'à la Huche, forcément, avec ses choix, il a remporté 3 titres cette saison. C'est impressionnant. Alors certes, il n'a pas remporté le FL, mais il a remporté 3 titres et c'est beau. C'est beau, ouais. Donc il mérite largement d'être ici comme tous les autres. Ouais, c'est sûr que c'est très beau. Oui, dis-moi, c'est Tom, justement. Mais par rapport aux critères, ça a été un ensemble, hein. Ça a été aussi une stabilité. C'est-à-dire, par exemple, pour Pato, c'est quelqu'un qui, quand il te dit « je commence l'année », tu peux dormir sur tes deux yeux, il va terminer l'année avec une bonne promotion sur les réseaux, une bonne gestion dans la feuille des matchs, pas trop aucun litige. Et pareil pour Samino, tu vois, c'était plusieurs critères. Il n'y avait pas que le critère de la performance, il y avait toute la gestion. Et en fait, derrière chaque manager se cache tout un staff, que ce soit soit sous forme de coach, soit plutôt sous forme de directeur e-sport, de gestionnaire de l'image. On pense notamment à OSC Lyon avec Saken qui a fait un gros boulot au niveau administratif, mais sans la mise en avant peut-être du OSC Lyon, ils auraient pas pu, on aurait moins vu l'impact de cette remontada. Moi, si on l'aurait su, mais là vraiment elle a été bien mise en évidence et tout ça, c'est génial, hein. Et après pareil pour Neza qui a fait mieux qu'avec XIV l'année dernière. On rappelle que l'année dernière il était déjà nominé avec XIV et cette année il a fait encore mieux et il a su justement évoluer avec la vision d'eSport FA en ayant un partenariat avec Van Olympique et créer la section sport virtuelle Van Olympique eSport. Donc c'est tout ce qu'on attend de chaque manager, c'est pas seulement les performances, c'est avancer dans la même vision que nous, dans un projet cohérent, avec des choix de compétition pertinents. Ouais, exactement, hein. C'est la continuité, et quand on parle de continuité, comment ne pas remercier et saluer aussi le travail des prédécesseurs, ok, c'est toute une équipe, mais aussi les prédécesseurs de ces GM qui avaient aussi fait aplati le sol pour les fondations. Ils avaient fait les fondations, on pense justement notamment à Sino, à Nantes, on pense à Gomis du côté de Lyon, il y a tous ces GM qui ont peut-être passé la main ou qui sont un petit peu plus en retrait, professionnellement ou personnellement parlant, qui ont eu leur petit truc et qui ont su céder justement pour laisser le projet avancer. C'est toutes ces personnes-là qu'on salue, qu'on remercie pour tout le travail qui a été fait durant tout le long de l'année et tout le long des précédentes années aussi, Misa. C'est ça, et on pense une petite pensée aussi à Madriano qui, je me rappelle, tout l'été dernier, quand il a repris le SC Toulon eSport, il avait mitraillé je ne sais pas combien de nombre de messages pour le recruter, parce que c'est difficile pour lui pour recruter. Oui. Il est plus dans la formation que dans l'acquisition de joueurs déjà prêts pour le FL. Et il avait promis que les joueurs qu'il rejoindrait iraient en EFL finale. Il y a été, il a fait quand même quelques bonnes performances durant l'année. Et c'était un travail de fond qu'il a mené du mois d'août, même juillet-août, jusqu'à mai, pour essayer de faire l'EFL final comme il avait promis. On aurait pu revenir, on n'a pas eu trop le temps, mais ça serait intéressant peut-être dans un zapping de remonter dans le message de Madriano il y a un an à peu près, où il promettait qu'il allait remonter le Toulon eSport vers le milieu de tableau en tout cas. Yes. C'est un tout. Ouais, et on va du coup, sur ces belles paroles, passer à la catégorie reine de ces présentations. La meilleure, la plus belle des distinctions pour un joueur de foot ou d'e-foot, la distinction personnelle bien sûr, hein, parce que sinon c'est la Coupe du Monde, c'est ce Ballon d'Or. 30 nominés, pardon, j'allais dire 50, non c'est bon. 30 c'est déjà bien, les amis. Non, 30 nominés pour le Ballon d'Or, vous les avez là, les trois lignes. On va commencer par la première colonne, celle de gauche.
On aura Wissam, Tom Hercelens, OBP, Brian Toffin, Wisco, Picsou, Lucas PRS, Karma, Polienko, le V7. Déjà dans cette liste, que des gros noms Moustaki. Je pense que voilà, parmi cette liste, on en avait déjà parlé. Il y a de grandes chances qu'il y ait plusieurs membres du top 5 dans cette première colonne. Bah, bien sûr, hein, quand tu vois des joueurs comme Polienko, Wissam, Tom, c'est des joueurs qui ont su être présents du début à la fin de cet opus. Et puis voilà, hein, ils méritent d'être dans les 30. Mais je pense que la deuxième colonne est encore un peu plus... Encore un peu plus forte, je pense. Eh oui, c'est là où je voulais en venir. La deuxième colonne est encore plus relevée. Dites-vous que dans la première, on a l'impression déjà d'avoir quelques joueurs du top 5. Bah, dans la deuxième aussi et dans la troisième aussi. Voilà, comme ça, c'est fait. Dans la deuxième, on a Soso, Geronimo, Riyad, Capone, Boxster, Siaovic, Diakité, Ace, Jessim et Malikas. Grosse, grosse, grosse colonne avec beaucoup de vainqueurs, justement, de cette saison EFA 21 déjà, Tom. Ouais, exactement. On sait que tous ces joueurs de FDA qui ont fait une saison exceptionnelle, déjà en EFL, Saphir, ils avaient été incroyables malgré cette défaite improbable, on va dire, contre XCIV qui avait surpris tout le monde. Mais ils avaient fait une saison incroyable, des playoffs fous, avec, on s'en souvient, des matchs en 3-1, 3-2, alors que on pensait qu'ils allaient tout casser sur leur passage, et puis après ils ont fait cette finale folle avec il n'y avait rien à faire pour Orcs, et ils ont montré que c'était la meilleure équipe cette saison. Ah oui, et j'en profitais pour saluer la Huche qui est venue nous rejoindre dans le vocal et qui va nous donner lui son avis sur cette troisième colonne où justement sont nommés Firmino, sont nommés Ilias, Zoug, AK59, Samino, Benny, Braclo, Kiri, Torsi et Juanito. Salut la Huche, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va et vous? Ça va, super, merci, merci de... Je suis un peu pris au dépourvu là. Ah oui, justement. Mais... non, ouais, concernant la troisième colonne, non, bah, comme tu l'as dit, hein, comme pour la première et la deuxième, il y a des noms qui sont là depuis, ça y est, ça fait plusieurs saisons, on les connaît, c'est des mecs qui confirment chaque année. Et voilà, la place elle est méritée, que ce soit première, deuxième, troisième colonne, tout est mérité. C'est des mecs qui ont l'expérience et qui ont encore prouvé cette année, quoi. Eh oui, en effet, l'expérience d'Esport FA, l'expérience du club pro, l'expérience du football, un QI football surdéveloppé, c'est comme ça qu'on parle de ces 30 joueurs, les gars. Maintenant, moi, ce que je vous propose, je ne sais pas si on a une autre, une petite interview, il me semble qu'on a une deuxième interview en stock. On va meubler un petit peu, mais en tout cas, sachez que cette interview n'est pas piquée des verres. Elle est partie dans 3, 2, 1, maintenant. Ma, le carré croix qui ne marche pas, les amis, la feinte de vidéo. Vous connaissez ça, vous? Une feinte de vidéo, la vidéo n'a pas vraiment si bien téléchargé, malheureusement. On va attendre un petit peu avant de la présenter. Ce que je vous propose, ouais, c'est déjà, on discute un petit peu entre nous sur ces quatre distinctions. Alors, je sais que, voilà, on a laissé Presco un petit peu longtemps en muet. On va parler un petit peu déjà... Pardon, Misa, oui? Je viens un petit peu faire mon intrusion, comme d'habitude. Yes, vas-y. C'est juste pour t'annoncer, il y aura aussi deux distinctions qui sont connues, celle-là, en plus des trois surprises. Deux distinctions qui sont connues de l'année dernière. C'est le meilleur buteur sur l'année sur eSport FA 21, donc le trophée d'or qui a été remporté par Senzea, on le rappelle, pour la première édition l'année dernière. Et du coup, là, on va vous l'annoncer là, dans quelques minutes, le soulier d'or eSport FA 21, du coup, avec le nombre de buts, le nombre de tirs et tout ça. Et il y aura aussi le best playmaker, il me semble que c'est comme ça qu'on le nomme en English. C'était Pato l'année dernière qui l'avait remporté. Et cette année, eh ben, c'est en quelque sorte le meilleur passeur, les amis, le meilleur passeur de eSport FA 21. C'est dans quelques minutes, donc ces deux distinctions-là, en plus des catégories que tu as présenté, Chaban, et après il y aura aussi les trois autres distinctions supplémentaires. Ah bah, c'est parfait. Une distinction pour Vervelski, ça. Aïe, 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 aïe. Ça parle déjà, ça dit déjà des noms,
bah, veut déjà placer ses pions, en tout cas, ce qui est sur Manet, sache une chose, c'est que ce sera au nombre de points. Ce sera pas un avis, ce sera pas un vote. Ce sera vraiment tout simplement la personne qui aura fait le plus de passes décisives et le plus de buts qui seront justement les justes vainqueurs de ces récompenses. C'est très difficile de voter pour un meilleur buteur, hein, je vous avoue. Par contre, compter le nombre de buts que chacun a mis, c'est beaucoup plus simple. Eh oui. Donc du coup, voilà. Donc c'est parfait. On va envoyer contenu. On va envoyer justement cette interview qui est un petit peu tronquée et qui va repartir maintenant. C'est parti. Yo yo yo, big up la commis CP. Moi c'est Privy, j'ai catché la Zora eFoot. Passer sous Charmagnorté pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors j'ai fait cette petite vidéo pour vous donner mes impressions par rapport à mes deux nominations dans deux catégories différentes en Espoir TFA pour ma première saison. J'ai été nominé tant que Golden Boy et Golden Glove. Je pouvais pas rêver mieux. Et j'en profite également pour remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi sur le sondage qui s'est passé dans l'actualité FIFA, sur ActuFA. Et je remercie aussi mes GM, les gens qui m'ont fait confiance depuis ma toute première session avec eux jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, big up à vous, big up à tout le monde. On espère être là pour le plus FIFA 22 pour tout casser. Ciao la commu, c'est Privy. Aïe 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 aïe, Privy. Privy, très très bon gardien justement qui a su se distinguer cette année. Alors j'ai vu Leno Aaron hein, que j'ai remercié, que je vais pas remercier énormément s'il continue hein, dans le chat. Hein, apparemment, parle beaucoup, mais celui qui écrit un message sur deux qui spam de fou, mais bon, on n'est pas là pour ça. Hein. En tout cas, on te le souhaite. On va passer 22h19 à 22h20 la liste des 10 nominés aux Golden Gloves. On va bien sûr faire cette petite cérémonie avec, en commençant bien sûr par le bas, par le 10e comme on a dit, jusqu'au 6e, avant de vous présenter tout ça par vidéo. On va attaquer d'ici pas longtemps justement les 10 meilleurs GK de l'année. Alors sachez que ça a été bien sûr très très difficile de les distinguer, bien sûr, les 10 les uns après les autres. Mais bon, on a réussi à se mettre d'accord sur la liste hein, au fur et à mesure avec les votes. On vous remet du coup la liste ici même sous les yeux. Et du coup, au niveau des Golden Gloves, c'est parti pour justement le 10e nominé. Pour le Golden Gloves, 10e meilleur gardien, c'est justement Azur qui a été en 10e position. Alors on attend justement la petite animation qui devrait se mettre d'ici peu. Ne vous inquiétez pas les amis, tout est rodé. On aura donc le classement qui sera mis bien évidemment sous vos yeux. Voilà, le 10e, c'était donc bien Azur. Le 9e, c'est Stoumi, bien évidemment, qui a quand même sa part hein, en rentrant dans ce top 10. 8e, c'est Winner1. Et 7e, on aura Kev Block également. À savoir que, bien sûr, juste après, bah, c'est égalité hein, pour ce top 5. C'est égalité. On a donc de ceux qui ont été éliminés pour l'instant et qui ne sont pas dans le top 5. Azur, Stoumi, Winner1, Kev Block. Et donc, dans ce top 5, on a justement Presco, Geronimo, Piri et Wissam dans les 5 premiers. On va s'arrêter un petit peu sur les de la 10e à la 6e place. Voilà, justement. Alors, je me cache. On m'a peut-être pas mis au bon endroit. On n'avait pas pensé à ça. Mais ouais, donc voilà, vous les avez. Vous les avez juste sous les yeux, du coup, ce classement. Si justement on a peut-être Presco qui peut nous parler de ses homologues au,
poste de goal. Parmi les meilleurs gardiens Sport FA, là vous avez justement Winner 1 sous les yeux, le gardien de Zéphir qui nous avait fait surtout une très très bonne QV, il y a très très bon coup de 3, hein, on s'en rappellera. Donc voici pour ceux qui ont été dans ce top 5 du meilleur gardien du Golden Globes. En cinquième position, meilleur gardien, vous les avez là. C'est justement Baby Chao et Privy, les deux GK de l'Azoria, justement Privy que vous avez vu et Baby Chao d'Atlantid Wave. Qui ont réussi à se distinguer, à avoir cette position. Bien joué à Privy et à Baby Chao pour cette place d'honneur. On passe à la quatrième place. Quatrième place des Golden Gloves. C'est tout simplement Kiri, son arrêt réflexe fabuleux ici face à InVision. Justement, il a réussi à détourner la majorité des attaques qui étaient en face de lui, le gardien d'MGS, c'est Kiri qui nous a fait une bête de saison mais qui arrive au pied du podium. Troisième place dans ce podium, c'est tout simplement Presco qui a réussi à accrocher la première place sur ce podium. Hein. Troisième du coup la plus basse place, mais j'imagine qu'il doit être très très content de cette place sur le podium cette année pour le Golden Gloves eSport FA. La bataille entre deux, vous les avez, les deux noms qui restent, le numéro 2. C'est tout simplement Geronimo, F. Geronimo, le gardien de FDA, lui qui est arrivé d'MGFC pour FDA justement en cours d'année et qui a donc remporté le championnat. Geronimo qui se classe en deuxième position, qui a été un élément indispensable de son équipe, malheureusement pas aussi indispensable que Wissam, le meilleur gardien cette année. Wissam qu'on a vu très très acrobatique tout au long de l'année, tel un chat sur ses pattes, il sait se relever, il sait faire des arrêts réflexes, il sait sortir de sa cage, sortir de sa surface aussi quand il le faut. Bravo Wissam, meilleur gardien d'eSport FA 2021 et grand gagnant des Golden Globes. Eh bah dis donc. Hein. Ouais. Ah ok, d'accord, tu voulais les présenter comme ça, pas de souci. Donc voilà, on a donc l'affiche de Privy et de Baby Chao qui ont terminé 5e. L'affiche de Kiri, 3e. Presco, 3e. Geronimo, 2e. Et donc Wissam, 1er. Félicitations à tous ces joueurs. Et bah justement, maintenant que je t'ai sous le coup de Presco, t'as ton humeur après cette place sur ce podium. Ah, moi je suis content. De toute façon, mon objectif de début de saison c'était d'être nominé pour le Golden Glove. Donc, grâce à Benzo, à sa confiance tout au long de l'année, j'ai su élever mon niveau de jeu. Je pense que ma place dans la liste elle est méritée. Après, je pensais pas être classé aussi haut vu que les autres gardiens ont fait d'excellentes saisons, voire même mieux, surtout au niveau collectif. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. Et je vais travailler pour montrer que j'ai pas volé cette troisième place. Et maintenant, l'année prochaine, l'objectif, ça sera de confirmer, voire de faire mieux. Ah oui, et vous le voyez, là, le trophée justement des Golden Gloves qui sera accroché sur justement la table de chevet, au-dessus de la table de chevet de Wissam. Il pourra le présenter fièrement sur tous les réseaux sociaux. Il pourra aussi, justement, t'apprendre à jouer Presco, comme tu le dis. En tout cas, voilà, comme on peut le lire, c'est entièrement mérité. Bravo Wissam pour ce trophée et bravo justement à toute ton équipe justement parce qu'il n'y a pas de bon gardien sans bonne défense.
c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Donc voilà, autant en profiter. On va parler maintenant avec Tom. Tom, justement, parmi les gardiens, voilà, est-ce que ce classement te paraît logique? Est-ce qu'il, justement, tu voyais certains joueurs un peu plus haut, un peu plus bas? Dis-nous tout. Ah, il est parfaitement logique. On sait très bien que Presque Geronimo, notamment, fait une grosse saison. Mais Wissam a été impressionnant toute la saison. Justement, je regardais un peu ses stats. Il y a notamment cette Team of the Month en marche dans la conférence N-Mod, 6,35 de notes, 43 arrêts. Enfin, c'est un moins important dans la saison puisqu'il permet aussi de se qualifier pour les playoffs. On sait que Orks a été très bon à ce moment-là. Et être dans la Team of the Month à ce moment-là, c'est important. Il a fait aussi de très bons playoffs puisqu'il est le deuxième en nombre d'arrêts, 28 arrêts en 9 matchs, 3,11 de moyenne. Ça veut tout dire quand on sait que Geronimo, il a 15 arrêts en 10 matchs. Ça montre la différence de l'importance en fait, pour arriver à cette finale, j'aurais tendance à dire. Donc, c'est largement mérité pour Wissam, mais Geronimo et Presque, notamment, qui complètent ce podium, ont été aussi très, très bons. Si je peux intervenir pour donner mon petit avis sur ça. Le classement, il est bon, mais je voulais juste passer une dédicace à mon gardien à moi, Kev59, qui est pour, si on a fini troisième, il y est pour vraiment beaucoup, 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 et qui est malheureusement pas dans cette liste. D'ailleurs, c'est un peu... C'est pour lui, hein, moi, tu vois, c'est pas pour moi. Ouais, lui, je comprends. C'est un peu gênant parce que bon, on finit troisième. Il n'est pas dans les 10. Très grosses équipes et il n'est pas dans les 10. Donc, je voulais juste lui faire une petite dédicace sur le live pour lui montrer qu'on pense à lui et qu'il a été pour beaucoup dans notre bon parcours. Voilà. Bah, tu sais quoi, tu m'ôtes les mots de la bouche parce que justement, j'allais faire une petite dédicace à des gardiens qui auraient pu justement être présents dans cette liste. On pense également, hein, parce que ce n'est pas le seul, bien évidemment, à Fredinho, à Overkiller. Ouais, il y en a plein qui n'ont pas été cités. Qui n'étaient pas dans les 10. C'est comme ça, on peut pas tout mettre tous les GK de FA. Ah oui, exactement. Oui, du coup, je t'écoute. Puisqu'on parle de Kel 59 et on parlait de stats, c'est celui qui a fait le plus d'arrêts dans ses playoffs puisqu'il a 33 arrêts en 9 matchs. En plus, ah, il me semble le deuxième. Merci. Là, t'as un gars, il sera content de ta stat. Hein. Et il me semble le deuxième, c'était Pickhams, si je ne dis pas de bêtises, justement, le gardien de Toulon en termes d'arrêt. Mais bon, le deuxième, c'est Wissam avec 28 arrêts sur les playoffs. Yes. Mais ouais, donc voilà, c'est jugé tout au long de l'année, c'est malheureusement. Ça, c'est les Q1, Q2. Il est arrivé, il était inconnu au bataillon, personne ne connaissait. C'était un joueur VPG. On l'a repris chez nous et on l'a lancé, entre guillemets. Et voilà, c'est vraiment un top gardien dans les playoffs. Il nous a vraiment surpris. Dans peut-être, le bon sens. Peut-être que l'année prochaine, il sera justement confirmé. Il sera peut-être dans les 10 la saison prochaine. Hein. Il sera déjà peut-être dans les 10 et il sera peut-être aussi rookie de l'année, étant donné qu'il n'a pas fait l'année en entière. C'est tout à fait possible. Voilà, c'est genre de distinction. C'est l'exemple même du joueur qui n'a pas fait l'année entière et qui, s'il confirme l'année qui suit, peut être dans deux distinctions, voire peut-être trois, hein. Voire peut-être quatre si jamais tu laisses ta place au poste de manager, d'assistant manager. Non. Moi, en je suis cas, voilà. à la Neox, enfin la Neox, la Pandore. Tant que je me fais pas virer ou que le club il dissout pas, j'y suis jusqu'à la mort. Hein. Ah ouais, non, le tatouage. Le tatouage sur le pec. Voilà, bah parfait en tout cas. Je vous propose de passer du coup à cette deuxième distinction. J'ai le schéma en sens inverse. Alors Senzea, c'est Wissam qui a reçu le titre pour l'instant de Golden Gloves. Et on va passer du coup au rookie de l'année. Le rookie de l'année. Il y a eu, comme on a dit, pas mal de prétendants, pas mal de très très bons joueurs, voire d'excellents joueurs de club pro 1v1. On va tout de suite savoir qui de ces joueurs ont justement fait partie de ce top 5 et qui n'en fera pas partie malheureusement. Donc, on va partir sur... Vous étiez les GM avant ? Non, c'était bien le Golden Boy. Voilà, c'était bien le Golden Boy. Voilà, vous avez la liste des joueurs qui sont bien là. Alors, à égalité à la 18e place, hein, déjà. Pardon ? J'aimerais plus qu'on fasse 5 par 5. C'est possible, ça, les réalisateurs ?
Donc ça, on débat 5 par 5, le classement. Bien sûr. Une pole. Bien sûr. Ça devrait être possible, Tatane. Parfait, parfait. Donc du coup, voilà. On va faire 5 par 5, comme a dit Misa, justement. C'est une très, très bonne idée. Donc, pour les 5 premiers éliminés de ce classement, Golden Boy, Isparef à 21, on aura en 18e place déjà Taiga, on aura Gigou 93 et Baby Chao 78. À la 16e place, Boxster et Koundé. Alors voici déjà pour les 5 premiers premières personnes éliminées, donc Taiga, Gigou 93, Baby Chao 78, Boxster ainsi que Koundé. Parmi ces 5, personnellement, il y en a plusieurs que on avait fait un mot trop lenta. On a les visuels, bien évidemment, pour chaque joueur qui voudra les publier sur ses réseaux. Mais là, c'était plus en mot trop lenta, c'est plutôt pas mal. Avec la petite 3, justement. Il nous en reste plus que 15. Il nous en reste plus que 15. Alors, petit débat, justement, Misa, parmi ces 5. Parmi ces 5? Ouais. Boxster, il aurait pu encore un peu survivre. Voilà, magnifique, Tatane qui nous propose les deux versions. Excellent. Voilà, tu peux enlever même ma tête, là, comme ça. Voilà, parfait. Mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort. Il est trop fort, ça. C'est... Action, réaction. Voilà, je vais en profiter, là, je vais juste... Il a un petit truc, là. Merci, c'est bon, c'est réglé. Et merci, donc... d'ailleurs, pour ce magnifique visuel. On en profite rapidement, là, pour faire un petit remerciement à Ben, bien évidemment, qui est le créateur de ce visuel de l'année dernière. On le remercie pour ses PSD et on remercie Florian cette année qui a pu gérer la gestion de ce projet au niveau de la répartition avec Mika, Kevinho et Stormy qui ont donné un coup de main à la création, enfin à l'édition. Ah oui, merci à toute l'équipe graphique d'Espoir FA pour le travail qui a été fait déjà là, Misa pour la cérémonie, mais aussi tout le long de l'année, hein, parce que c'est vraiment pas une course de 100 mètres, c'est un ski de fond, voilà, comme on aime bien le dire. C'est une course longue, c'est un marathon. Et à la fin de l'année, on se fait un petit peu plaisir. Alors oui, c'est vrai que voilà, là, on présente, on parle énormément, on se fait surtout plaisir. Et voilà, on en profite encore une fois pour remercier tout le monde qui grâce à leur investissement, nous permet de pouvoir faire tout ça. Là, on voit justement Gigou 93, l'attaquant du Sporting Club de Lyon. Là, c'est Taiga, justement le joueur de Zephyr, qui ont au moins eu la chance d'avoir été nominé. On va le voir comme ça, même si mais je pense... Mais j'ai une petite question, Chaban. Pourquoi ils ne sont pas 20? Ils n'étaient pas 20, si, normalement? Si, ils sont 20, mais ils sont à égalité, 18. Ah oui, d'accord, à égalité, ok. Voilà, égalité, 18, 18, 18. Donc c'est pour ça. On en profite, hein. On a Moustaki dans le vocal. Hein. Moustaki, c'est vrai que je l'avais un petit peu oublié. Il est en muté, donc du coup depuis avant. Moustaki, ces 5 premiers, ton ressenti. Bah ouais, hein, comme l'a dit Misa, je pensais que Boxster allait monter un peu plus, au moins vers la 10e, 11e place. Mais malheureusement, on l'a laissé à la 16e place. Même Koundé, hein, Koundé qui aurait pu monter un peu. Même Koundé, ouais. Les plus déçus, je pense. Eh oui, justement. On enchaîne du coup. 15e place, on a l'attaquant de Pandore, justement. C'est Blackstar. Blackstar qui, on se rappellera de la passe de Vervalskill pour Blackstar, le but le plus rapide d'Esport FA. Ensuite, le gardien de Dijon, Azur. On aura également, pour rester dans l'humeur dijonnaise, Barbossa, évidemment. Ah, il rentre pas dans le top 10, Barbossa. Non, Barbossa, 12e, malheureusement, accompagné de The Tico Beast, accompagné de Tico. Voici pour justement ceux qui sont hors du top 10, c'est ces joueurs-là. Oui, incroyable, en effet. Et là, Michel, il n'y a pas de joueur, là, Michel. Non, il n'y en a pas, il me semble. Et oui, le facteur clé, ça me dit, on va rejoindre Shonda, Exactement, c'est vrai que, voilà, ils ont su
su justement se montrer, ils ont su être forts durant l'année, mais malheureusement pas assez pour être parmi ces 20 nominés. On va continuer la liste pour se rapprocher du coup de ce top 5 avec en 10ème place Kivi. Kivi justement, le gardien Sanchez, que t'as dit, qui est dans ce top 10 mais qui en fait partie. 9ème c'est Messia. À la 7ème place, on retrouvera Sosu et Cafu. Cafu qui est pour moi le meilleur latéral d'histoire de la ville, la fin de sa première année. Il a été Pardon ? Apparemment la musique serait un petit peu trop forte. Je pense qu'on va la corriger dans quelques secondes. Ah ouais, musique beaucoup trop forte, j'ai l'impression que il y en a certains qui ont peut-être dû apprécier. Mais bon, la musique. On était dans le top 10. On était dans le top 10 du coup. Eh avec oui, Sanchez, on est... du coup, qui finissait top 10, c'est une très bonne saison hein, pour lui, Sanchez. Je me rappelle encore cette fameuse tot où il a été le seul qui figurait parmi tous les joueurs de FDA. Eh oui, en effet. Hein. En effet, Sanchez qui a été le seul joueur de Van, enfin le seul joueur hors FDA en fait, dans l'équipe de la semaine, t'as raison Misa, il a su sortir son épingle du jeu à ce moment-là, et donc comme on a dit, ceux qui l'ont accompagné dans ce top 10, on en était dans ce top 10 du coup, c'était Privi, Sanchez, il y avait Nezia, Soso, et Cafu, du coup. Voilà, ouais, exactement. Le son est encore fort, apparemment. Le son est-il encore fort? Allez, les gars, dites-nous tout. Je sais que le V7 a craqué un fumigène et a commencé à chanter comme pas possible. Le V7, qui est nominé dans le Ballon d'Or. Ouais, dans le Ballon d'Or, pas dans le Golden Boy, effectivement. Hein, le V7. Top 9, ouais. Pardon? Le top 9 avec Neza, Cafu en top 7. Yes, donc du coup, donc on avait Nezia 9ème, Soso et Cafu, top 7, et on va passer du coup à ce top 5, le fameux top 5, les 5 meilleurs joueurs, nouveaux joueurs surtout, d'eSport FA, là alors que vous voyez justement l'affiche de Soso, et c'est parti pour les 5 meilleurs joueurs, les 5 Golden Boy d'eSport FA. En cinquième position, on retrouve Adama et Verbalskill. Le phénomène. Exactement. Les phénomènes, hein, les deux phénomènes. Ouais. Adama qui a été également très très fort durant l'année. Et là, c'est le but, justement, le but le plus rapide. Vous voyez, avant la minute, 53 secondes, Blackstar qui marque sur une passe de Verbalskill sur l'engagement. Ça a été vraiment le fait de l'année. Adama et Verbalskill, cinquième place. Félicitations à eux. Félicitations à eux pour tout le travail effectué durant toute l'année. On passe à la quatrième place. À la quatrième place avec justement Wisco. On en a parlé, hein, Wisco, le milieu, le piston gauche de cette équipe de Orcs qui a fait, si je ne dis pas de bêtises, 3 finales hein, quand même avec Orcs cette année. Wisco qui a bien été représenté dans les équipes de la semaine également. On passe au podium. Troisième place du Golden Boy. C'est le meneur de jeu des FDA, le Lyonnais. C'est Jessim 69X, le distributeur de caviar pour justement les 3 attaquants qu'il avait devant lui. Manikas, Ace et Diakité. Bravo Jessim pour cette troisième place sur le podium du Golden Boy. Pour la deuxième place, et là, il risque d'être déçu malheureusement. Il sait qu'il aurait pu peut-être avoir la première place. Ça a été très difficile, ça a été serré. Mais c'est justement le récupérateur Capone. Capone qu'on va voir justement marqué ici, qui est deuxième au Golden Boy. C'est déjà très très bien Capone. Hein. Cette passe décisive pour Ace, justement, ce n'est pas un but, c'est une passe décisive. Et le salto, triple Axel, juste derrière pour la célébration. Très 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 remuant Capone et un récupérateur de ballon hors norme. Et le premier, le Golden Boy, celui que vous attendiez, Ace 10, Ace, la flèche, le triple A, comme on l'appelle, du côté des frères d'armes. Golden Boy, dès sa première année, évidemment, puisque c'est celui qu'on félicite pour sa première année dans eSport FA. Ace, qui n'en finit plus d'amasser les trophées. Bravo à lui pour sa saison et pour ce titre.
Ah, c'est fort, il a fait une très très belle saison. Ah ouais, magnifique saison de Ace. Alors Tom, si t'as, si t'as deux petites stats justement par rapport à Ace. Ouais, quelques petites stats. Alors j'ai pas regardé évidemment tous les joueurs, mais il a quand même marqué 4 triplés dans toute la saison. Alors pas que le FL final, mais sur toute la saison, il y a 4 triplés, il y a pas mal de doublés. Donc déjà, ça c'est énorme. Il a 11 buts marqués sur le FL final, sans compter les playoffs, conférence Saphir. C'est énorme. Il a 8 buts marqués, c'est le meilleur buteur des playoffs. 0,73 buts par match. C'est impressionnant. Enfin, il a des stats incroyables pour cette première saison. C'est largement mérité. Eh oui, hein, c'est mérité justement. C'est mérité pour toute la saison qu'il a fait justement. Pardon? 51 buts, 18 passes décisives, voilà. 78 matchs joués sur eSport FA. Ah, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup justement. Hein. On rappelle qui est le meilleur buteur. Alors Senzea, ça va venir par la suite, ne t'en fais pas. Là, on a juste dit le nombre de buts et de passes décisives que Ace a pu nous offrir durant toute l'année, nous régaler de ses passes, de sa complicité justement avec Diakité, avec Manikas aussi un peu avant justement la période d'élimination, ainsi que avec Jessim qu'on a pu voir, qui lui est à la troisième place. Ce podium qui est plutôt vert, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est très très vert, ce podium de jeune rookie de l'année, non? Est-ce que ça t'étonne? Ouais, ça va. Non, non, Moustaki, non, en vrai, ça ne m'étonne absolument pas. Mais c'était pour justement pouvoir en parler un petit peu, en parler surtout avec une personne dont vous avez l'habitude de plus en plus de l'entendre parler avec nous, qui est venu nous rejoindre dans le Discord, et on va en profiter justement pour lui donner la parole, Mario. Mario qui est l'un des managers de FDA et qui est là ici avec nous. S'il est chaud à se muter par hasard, à se démuter pardon, et à nous donner un peu son avis sur ses récompenses de Golden Boy. Du coup, on va passer. C'est super. On adore. Et tac. Sinon, Tom, parlons entre nous. Ouais. Moustaki, rentre dans la conversation si tu veux. On va faire une sorte de petit stade 2.0 là, comme ça, entre nous, calmement. Triplé FDA pour le Golden Boy. Est-ce que c'était pas quelque chose d'assez logique finalement? Alors pour moi, oui, je pense que c'est logique. Enfin, on a vu la saison qu'ils ont faite, on en a parlé tout à l'heure. C'est parfaitement logique. Ils ont été incroyables tout au long des EFL Finals. Ils ont fait un très gros playoff. Ils ont des joueurs d'expérience autour. Forcément, les jeunes joueurs, entre guillemets, ils s'en sortent. D'ailleurs, un petit mot peut-être sur Capone. Je viens de voir la stat qui m'impressionne. Ouais. 1883 passes réussies en carrière. Ouais. Il s'est appuyé sur croix. Non, je rigole. C'est quand même bien plus que ça à ce niveau-là, pas de souci. Et moi, ce qui m'avait impressionné avec Capone, c'était sa paire avec Zug, où ils avaient récupéré un nombre de ballons phénoménal, et on se rappelle bien à quel point l'intensité était bien présente lors de la finale face à Orcs. Moustaki, je pense, voilà, tu l'as bien vu aussi, c'était quelque chose de phénoménal, non? Bien sûr, après, c'est pour ça qu'il a été. On lui a décerné le titre de MVP des finales. C'est franchement le joueur, enfin l'un des joueurs de FDA qui a été le plus en forme de cette soirée. Et puis, au milieu de terrain, quand on sait qu'on est fort et qu'on récupère tous les ballons, bah, après c'est facile pour relancer et ça fait du mal à l'adversaire avec un milieu de terrain comme ça, Zugi et Capone, qui ont fait vraiment, vraiment mal. Et t'as un 10 comme Jessim pour balancer Diakité, Ace et je ne sais plus qui c'était le BU qui jouait avec Manikas. Manikas, voilà, bah. Après, tu peux pas demander d'autre chose que de marquer à ces deux joueurs. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est difficile quand on est bien servi de ne pas marquer. Tu le sais, toi qui as justement fait quelques matchs attaquants, n'est-ce pas, Moustaki? Ouais, c'est sûr, j'ai été attaquant, voilà. Il s'est fait plaisir. On a regardé des notes à 9, à 9,5. On s'est dit, ah ouais, mais pourquoi il est revenu au milieu de terrain alors que
Bah écoute, on revient sur les anciens, hein. Les anciens bails, bah après, tu vois, tu préfères jouer au milieu de terrain, tu touches plus de ballon. Ouais, c'est sûr. Tu préfères jouer au milieu de terrain. Ouais, mais voilà, donc du coup, vous avez ce classement complet du meilleur rookie de l'année, eSport FA 21. On va passer à celui qui a su le mieux tirer les ficelles, qui a su le mieux distribuer les cartes, qui a su le mieux faire ses remplacements. On va passer au classement du meilleur GM. Quel manager a été le plus intéressant? Alors que là, on retrouve justement la vidéo justement avec Ace qui a été cité au Golden Boy. Quel GM a été le plus intéressant, le plus perspicace dans sa manière de travailler? Alors on va, comme d'habitude, vous présenter, comme on vient de le faire depuis le début, c'est-à-dire la liste des GM, et partir par le bas avant d'atterrir sur un top 5, justement, et de présenter ce top 5 par la suite. Alors, voilà pour la liste. Les 15 meilleurs GM, on a déjà en 12e position, parce que oui, de ce que je vois, ils sont plusieurs à égalité déjà. On aura pour la 12e position, Jesse, le GM de l'Estudiantes, Pato, Lahuche, ainsi que Neiza, qui sont du coup tout en bas de ce classement, et seront rejoints par Madri, qui à lui a une place de plus que ces quatre GM. Madri, Neiza, Lahuche, Pato et Jesse, quand même de très bons GM qui ont beaucoup d'expérience au sein du club pro Misa, non? Si Misa il est là. Là, ouais, mais... Ou Moustaki. Ouais, je suis là. Bah ouais, après, c'est des GM qui ont été présents tout au long de l'année, qui n'ont pas lâché leur club, qui ont su construire des équipes, aller en FL final et montrer ce qu'ils valaient. Mais malheureusement, les titres n'ont pas été au rendez-vous, à part pour la Huche, avec les titres de coupe. Donc du coup on les voit un peu bas dans le classement, mais c'est normal quand on voit les GM qui restent, ils ont quasiment tout gagné. Ah oui, les GM qui restent, ils ont quasiment tout gagné. Il y en a un qui ne reste pas et qui pourtant n'a pas gagné. On va revenir vers lui très très rapidement. On va passer à la suite justement. Vous l'avez vu, hein, la croix qui vient de se faire, c'est casé. Kazé, le GM d'Atlantide Wave, qui est à la 8e position, tout comme Bunny et Leroy Key, le GM d'Obsession. Excellent travail également de ces 3 GM, les gars, Leroy Key, Kazé, Bunny, qui ont fait du très bon taf et qui seront accompagnés dans ces... Non, justement, on va attendre pour le top 5. Voilà, Samigno, Leroy Key et Kazé qui atterrissent à la 8e place. Lahuche, justement, ton sentiment par rapport à ce classement et à ce top 5 qui se dessine, hein. Bon, top 5 bien quitté, hein, y a pas de secret, tu vois, les noms qui restent, c'est totalement logique. Ouais, pour toi, c'est voilà, c'est sûr et certain, tu sais déjà un petit peu l'ordre, tu te dis un ordre, en fait. Ouais, perso, moi, j'ai mon ordre sur le podium, tu vois. Mmh. Après, on verra, vu que c'est tout le monde qui a voté, il y a eu des votes de la commu, on verra si la commu a bien voté ou non. Et voilà. Ouais, en tout cas, je sais que vous avez hâte de savoir qui est dans ce top 5. On va lancer la vidéo tout de suite. Elle est prête, ça je le sais, donc soyez prêts, vous aussi. La vidéo dans 3, 2, 1, qui est parmi les 5 meilleurs GM de cette année? On aura donc en 5e place du best manager Benzo, le manager d'SGS, le manager de cette équipe surprise parmi les playoffs et qui nous a quand même procuré du beau jeu, hein, il faut le dire. On aura également Fred et Samigno qui étaient présents sur cette 5e place. Fred et Samigno pour leur travail avec Grasse et Nantes. Là, ici, on voit justement le but de Fred à la fin. Benzo, Fred et Samigno qui sont donc cinquièmes de ce classement. Assez
mérité pour l'instant. Il mérite cette place. Peut-être pas forcément plus haut, peut-être pas forcément plus bas. Pour moi, c'est justement propre. On passe à la quatrième. Quatrième place du meilleur manager de l'année. Pascal Duprat, a.k.a. Styx. Styx, justement, qui a réussi. Vous avez la capacité intellectuelle, physique, technique de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. C'est grâce à ça que Pandore a su faire. Et là, vous voyez justement la petite tasse de thé après avoir bu l'adversaire. Petite tasse de thé, infusion thé vert pour ceux qui veulent savoir la recette de la win. La troisième place pour Picsou. Picsou, le GM de Orcs Grand Poitiers. On voit son unique but de l'année eSport FA. Lui qui est milieu défensif face à SGS et face à Presco, hein, justement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, Picsou sur le podium des managers de l'année. À la deuxième place, ce sera bien évidemment Saken. Il se lâche pas. Saken qui est parti de Orcs pour aller du côté du Sporting Club de Lyon, faire un projet, monter le projet, et là on le voit faire un petit bordel hein, quand même, il faut le dire, sur le côté gauche avant de faire la passe à Muzonda pour l'ouverture du score. Et bien sûr, à la première place de ce classement du meilleur. Je dirais que le bilan est satisfaisant. Le bilan est satisfaisant, tant sur le fond de jeu, que dans les résultats. Et vous voyez qu'il a particulièrement bien géré son pro. Hein. On pense que voilà, c'est justement ce qu'il a voulu montrer. Bravo à lui, bravo aux 15 GM nominés. Il y a tous les GM de l'année qui ont pu nous faire profiter de leur tactique, de leurs envies et de leur disponibilité aussi également. Hein, quand on parle sur les stats 2.0 ainsi que les soirs de présentation des GM qui ont beaucoup de travail, n'est-ce pas Manès? On en parlait justement avant, que ce classement te paraît justifié. Il est plus là. Mais il est plus là, magnifique, mais si tu peux te permettre, vas-y, avec plaisir. Ouais, si je peux me permettre, on parle beaucoup des GM, mais il ne faut pas oublier que sur eSport FA, un manager, c'est pas uniquement un mec qui joue et qui fait des perfs, c'est un staff complet. Il y a une grosse gestion et tenir un club tout seul, c'est impossible. Donc tu vois, moi par exemple, j'étais avec Twist. Si on parle de Manès, il était avec Styx. Si on parle de Royce, il était avec Mario, etc., etc. On va pas tous les faire. Mais c'est vraiment tous ensemble. Genre, c'est impossible de tenir un club. Donc certes, il n'y a qu'un nom à chaque fois sur les affiches, dans la liste, etc. Mais malgré les rumeurs, les ragots, etc. du club pro, les gens, ils parlent souvent pour rien, ils aiment bien parler. Et sauf qu'ils oublient toujours qu'il n'y a pas une seule personne qui peut tenir un club. Potentiellement, le seul GM qui pouvait, pour moi, tenir un club tout seul cette année, c'était Saken. Sinon, tous les autres, je pense que sans binôme, c'est pas forcément le pareil au niveau de la saison. Ah oui, en effet, hein. C'est tout un staff qui est mis en évidence de par ses joueurs. C'est tout le staff de FDA qui est célébré par la victoire du RR justement ce soir. Et comme a dit Lahuche, hein, justement, c'est un travail tout au long de l'année de plusieurs personnes. C'est un travail immense où justement faut programmer les matchs, faut savoir faire du social également, parce que croyez-moi, vous n'êtes pas forcément les plus gentils, hein, les joueurs du club pro. C'est pas forcément tous les jours facile, hein, n'est-ce pas? Il y a des énergumènes, ouais. Donc voilà, c'est quand même assez plaisant de travailler avec des gens qui justement s'investissent. Vous le voyez, le trophée sur le côté, le trophée de l'entraîneur, juste ici. Il est magnifique ce trophée, il est splendide ce trophée, on le voit, il est... Voilà, bon, après le thé, c'est la poignée de main, voilà, on va l'appeler comme ça. 22h55, le temps pour moi déjà de voir avec Tom de parler un petit peu justement de cette cérémonie des Ballons d'Or qui s'approche petit à petit vers la fin. On n'a pas encore présenté les dernières possibilités de récompense, bien évidemment, mais ça, on le fera juste avant le Ballon d'Or. Je sais que vous êtes friands de surprises. Et voilà, Ballon d'Or en dernier. Hein. Exactement, hein, Goletot, c'est ce qu'il dit, hein, Stormy. C'est le Ballon d'Or en dernier, comme d'habitude, en fait, hein, comme dans toutes les cérémonies. Et je vous promets que je ne vais pas vous demander si vous savez twerker à la fin quand je vous remettrai le trophée. Ça, c'est promis, c'est sûr et certain, même si je sais qu'il y en a certains qui savent. Pardon, allô? Oui,
Oui, d'accord, ok. Donc, c'est parti, Nisa, on est de retour avec toi, comment tu vas? Ça va, nickel, je suis là à la cérémonie. Du coup, vous avez fait combien de catégories là? Deux? On a fait les trois, on a fait les trois, on attend pour les ballons d'or et on allait justement présenter les cérémonies subsidiaires, comme on pourrait les appeler. Ah, c'est magnifique. Et donc, du coup, il Ah ben c'est le faudrait. meilleur buteur, c'est le meilleur buteur. Voilà, justement. Déjà, lui qui me trouve le meilleur, lui qui me trouve le meilleur buteur dans le chat, ben c'est tout bon pour lui, c'est 500 FAP. Aïe, 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 vous avez entendu Misa. 500 FAP pour celui qui nous met le PSN du meilleur buteur de cette saison, eSport FA. Allez, à vous les amis, à vous le chat. Alors, pas de leak. Ouais, pour ceux qui savent, pour ceux qui ont travaillé dessus, bien sûr. Bah, attendez, hein, un petit peu, bien évidemment. Misa, on va en profiter en attendant les réponses de tout le monde. Est-ce que, voilà, pour toi, l'année, comment elle s'est passée? Est-ce que, voilà, c'était plutôt une réussite? Dis-nous tout. Ah ben là, je suis posé, tranquillou. On reviendra là-dessus plus tard, mais c'était cool, comme d'hab. Ouais, c'était sympa, c'était une année sympa. Année de transition Oui. aussi entre Play 4 et Play 5. On rappelle, hein, Voilà, justement. pas vraiment finalement, parce que la PS5 n'était pas trop disponible. C'était plus C'est ça. entre e-foot et sport virtuel. Ouais, c'était justement le lancement. Et le V7 qui demande tout de suite d'envoyer les 500 EFAP pour payer ses factures. Notez-le de côté là, ça serait bien, ouais. C'est tout Non, lui bon. donnez Et pas, lui du donnez coup, pas, c'est un clown, Val, il mérite pas. du coup, un peu Il plus faut dur, aller passer le balai. un peu plus dur, un peu plus dur. À 1000 FAP, combien de buts a-t-il marqué? Aïe, aïe, aïe. Ah, donc là, potentiellement, il peut avoir Il y a 5 1500. minutes qui arrivent en plus. Il y a 5 minutes qui va arriver pour la réaction là. Oh, le trophée de soulier d'or de Tatane, il est magnifique. Il est splendide. Il Tatane, a mis Tatane. Ah, il a mis Tatane. Il a mis Tatane. Voilà. C'est le trophée Récupérer. Tatane. Il veut le récupérer. Il veut le récupérer, il veut le récupérer. Alors, on a du 36 buts, Malikas. Non, Wissam, on a dit justement que voilà, c'était bien Samigno. Et donc, du coup, on rajoute 1000 FAP. Donc, Non. il y a 500 pour le 1000 V7, en FAP, gros, c'est ça? Et il y en a 1000 pour ouais. celui qui dit le nombre de buts exact. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. On a du C'est pas 36, 71. du C'est pas 63, du 71. 71. C'est pas 71, le V7. Ah, c'est pas 71. Ce n'est pas 76 non plus. Allez, 73, moi je tente. Ah, la huche qui tente 66. T'as Ah, raison, hein, t'as bah, raison, toi. je vous donne un indice. Je vous donne un indice, puisqu'il y a tout le monde qui a participé une fois, plus ou moins. Il a plus de buts que Senzia l'année dernière. Et Pour Senzia les qui était amateurs. là? Est-ce qu'il faut le dire? Ah, Ah, non. d'accord, regarde, regarde, regarde. Non, mais tu le sais, Chaban. Bah oui. Attention, tu joues ton poste là. Si je peux vous donner un deuxième indice, je peux vous donner un deuxième indice, c'est un chiffre qui représente le département, un des départements d'Île-de-France. Allez, ça va vite maintenant. Vas-y, Chabanet, tu peux l'envoyer, je pense. Mais personne n'a Voilà. trouvé. Il y a Miguel qui a spoilé le truc. C'est bon, 77, donc il a fait plus que 77. Et c'est Rio, X Rio, qui l'a chopé Eh oui, à voilà. 92, 92, Eh oui, le 92 9-2. buts. Énorme, qui a fait une Énorme. grosse saison avec l'FC Nantisport. Et je crois qu'il va nous rejoindre là, il va pas tarder. Il y a le trophée, bien évidemment, qui va lui être envoyé à la maison. Alors on en profite, hein, pour dévoiler toutes les stats, justement, de Samigno, l'attaquant et membre du staff du FC Nantes. On a donc son nombre de buts. 92 buts en combien de matchs? 113 matchs. Une note moyenne de 7,8, 27 passes décisives, vous imaginez, hein, il est présent sur plus d'un but par match, hein, tout simplement. C'est insane. 310 tirs au total, 232 cadrés, 1946 passes. Fait beaucoup, hein. 1503 de complétés et 80 en ont été la clé pour une occasion chaude. Voilà, les gars, hein, tout simplement, hein, Énorme. si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est. J'ai envie de l'avoir dans mon équipe. J'ai envie d'avoir une équipe et j'ai envie de le mettre devant. C'est tout. Désolé, hein. Voilà, c'est la vérité. J'ai envie de maintenant. Je monte une équipe, je lui demande. Il y a quoi? Et après, il dit non. Mais bon.
C'est pas grave. On s'amusera quand même. Au moins, t'auras essayé. Exactement, exactement. Moi, j'aurais essayé. En tout cas, félicitations à Samigno pour ce titre de meilleur buteur. Misa, je te propose qu'on fasse un peu la même avec le poste de meilleur passeur. Meilleur passeur avec le trophée qui est en rupture de stock, vu qu'on avait pris l'année dernière. Du coup, on n'a pas le trophée encore choisi, mais on va choisir une bête de trophée. On n'a pas voulu se précipiter sur ce coup. Et du coup, c'est qui a pris les 1000 là, du coup? C'est Rio, ouais, Rio. Ouais. Ban. Et je les ai fap. C'est cool, Rio. C'est ça, c'est la régalade, c'est la cérémonie. Du coup, avant de passer au meilleur passeur. Ouais. Il y aura aussi, j'avais dit trois distinctions surprises. Je vais révéler l'intitulé de 2, 2 sur 3, si tu veux bien, ou 1 sur 3. Qu'est-ce que tu préfères, Chab? Ouais, tu peux en révéler 2 sur 3. 2 sur 3, on deux passe au meilleur passeur, on passe au troisième, et après, on passe au ballon d'or. C'est bon comme ça? Ok. Ouais, juste les intitulés. Après le passeur, je vais révéler les nominés des. Évidemment. Donc, alors, attends, il faut jouer avec le réalisateur, hein. Mais du coup, il y aura une distinction pour le Best Content Creator. Excusez-moi pour mon accent anglais. Donc, c'est le club de sport virtuel qui a fait le plus de structuration, de développement, de promotion, de quelque chose de carré au niveau du contenu sur son club. Sur les réseaux sociaux, etc., les affiches, etc. Ouais. C'est bien ça, Misa? Ouais, avec un trophée, etc., qu'on affichera. Et il y aura aussi le fair play, hein, comme d'habitude. Le fair play pour le club qui a été le plus fair play, malgré qu'il était en difficulté, il a continué à se donner au max. Bonsoir les gars. Il y en a eu beaucoup. Et voilà, Samigno, justement. Samigno qui vient de choper le trophée à 92 buts, 90 buts, 92 buts. Énorme. Incroyable. Magnifique, félicitations. C'est une grosse saison. Franchement, on avait mal démarré au début. Après, voilà, c'est un travail collectif. Et franchement, ça fait plaisir. C'est dingue quand même, parce que j'avais l'impression que, en fait, l'année. Excuse-moi. Deuxième. Allô? Ouais, ça va. Ouais, nickel. Excuse-moi, j'ai eu un petit bug aussi en même temps, en fait. Mais ouais, j'avais l'impression que l'année du FC Nantes était un peu à l'image de ses conférences, en fait. L'année, vous l'aviez un peu mal commencé, pas forcément super bien. Après, c'est allé de plus en plus vite, c'est allé tout droit. Et on se rappelle notamment de cette victoire en silver, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Zephyr, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et après, de nouveau, la Q2, c'est reparti. Et la Q3, justement, lors de ces conférences, ça piétinait au début. Je me rappelle de Stade 2.0 où on nous disait « Mais vous inquiétez pas, le FC Nantes, les doigts dans le nez, ils vont remonter facilement. » Et finalement, ouais. Non, franchement, c'était dur. Hein. Puis même cette année, en réalité, il n'y a pas vraiment eu d'équipe qui a écrasé tout le monde, tu vois, à part FDA. Puis même FDA, ils ont un peu galéré, mais... Ouais, ça s'est fait au cours des sessions, en fait. Il y a des sessions, tu repartais avec 0 points, et des sessions, tu repartais avec full points. Ouais, c'était les montagnes russes, comme on dit. Ouais, je vois. Et du coup, toi, ton avis, là, maintenant, après, justement, les trois distinctions aussi à côté qui ont été délivrées, le rookie, le meilleur GM, et ainsi que le meilleur gardien, si tu avais un avis personnel. Franchement, ouais, c'était des choix, la plupart, c'est des choix logiques. Hein. BestGM, à part Russ, je vois pas qui d'autre aurait pu l'avoir. Le classement, il est assez logique. Mmh. Mais non, franchement, ils ont bien été décernés. Tout le monde a bien voté, quoi. La commu a fait son taf et les GM aussi. Ouais, voilà. Bravo tout le monde. Vous avez... Bravo, le S. Ah, ça va. Tu me présenteras ça, alors, du coup, Samigno. Pardon, Misa ? Sûrement, tu as dépassé la barre des 100 buts, hein, parce qu'il n'y a pas les buts en LFV qui sont répertoriés, ni les buts en Spartafa Cup. Ouais, malheureusement. Parce que si tu en as mis 8 sur les deux compétitions, tu auras dépassé la barre des 100 buts. Ouais, je pense que ouais. Ça fait plaisir. Hein. Dédicace au petit Sens. Ah, magnifique, ouais, plus ouais. De 100 buts avec la LFV. Oh là 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 là. C'est une dinguerie, hein. À la LFV, on s'est fait plaisir en LFV, hein, franchement. C'était pas mal. Hein.
Peut-être à refaire. J'espère. Tu dis ça comme si c'était une soirée. C'est pas mal, honnêtement. Je suis arrivé, j'ai bien apprécié. J'ai marqué quelques buts, l'ambiance était cool, les gars, franchement. Ah, ça dansait et tout. Justement, Samigno, petite question, ouais. Est-ce que tu t'attendais à marquer autant de buts en début de saison? Non, franchement, non. Là, quand je vois les stats, on n'a pas fait les comptables, on n'a pas compté, on a joué à fond tous nos matchs, tout ça, on était focus. Et non, franchement, moi-même, je suis choqué. Hein. J'ai regardé les stats, là. Ouais, je m'y attendais pas, hein, franchement. Tu t'es fixé un nombre ou pas? Un nombre de buts début de saison? Ouais. Non, franchement, pas du tout. Moi, j'étais là juste pour tout gagner, pour aller au bout de chaque compétition. Et franchement, les buts, c'est un plus. Hein. Ouais, t'as mis un beau plus. Hein, quand même. Un beau gros plus, bah ça fait plaisir. Moi, j'ai une petite question. Il va falloir dépasser les 100 buts en EFL l'an prochain. Ouais, il y avait une petite question, justement, de nouveau pour Samigno. Va, vas-y. Ouais. Du coup, Samigno, est-ce que ça a changé ton jeu? Et est-ce que ça t'a permis de marquer plus de buts, le fait de passer GM? Franchement, je ne l'ai pas remarqué. Hein. Parce que peut-être avoir l'impression que le jeu il tourne autour de moi et tout avec le nombre de buts, non, pas du tout. Hein. Non, il n'a pas changé son jeu, il a continué à courir tout droit là, Samy. Alors, papa l'a eu, s'il vous plaît, butez-le. Aïe. En gros, la question c'est, est-ce que tu menaçais tes coéquipiers de ne plus les faire jouer s'ils ne te faisaient pas la passe? Écoute, ça c'est du management, chacun sa technique. J'ai le droit d'étrangler mes joueurs, c'est mon management, c'est mes tactiques. Non, plus sérieusement, on était dans une bonne ambiance et tout, il n'y avait pas de prise de tête, pas de mange-merde et tout, franchement, la plupart ils étaient super investis. Donc que ça soit moi ou un autre, ça aurait pu être un autre. La plupart des autres attaquants, que ce soit Isoka, Reus, il y a eu beaucoup de belles stats aussi hein, au long de l'année. Ouais, moi j'ai une petite question, mais pour la suite justement de cette cérémonie, vu qu'on va passer justement au trophée du Content Creator, celui qui a fait les plus belles affiches, qui a fait le travail le plus régulier aussi vis-à-vis des réseaux sociaux, le plus attractif, le plus attrayant à regarder. Je sais que le FC Nantes justement faisait de très belles affiches, de très belles présentations. Est un des potentiels vainqueurs justement de ce trophée. Est-ce que toi t'aurais une structure en tête par exemple? Est-ce que t'aurais une idée d'une équipe qui pour toi t'a bluffé vraiment sur Twitter pour être le plus précis possible? Parce que c'est notre réseau social principal pour la communauté Club Pro. Bah j'ai vu de belles affiches. Hein. Comment il s'appelle? Je crois que c'était le LC Lyon. Ils avaient des putains d'affiches avec tous les numéros à côté. Puis même des vidéos, ils mettaient parfois des résumés de buts, etc. avec les scores. Enfin, franchement, le LC Lyon, ils m'ont bien choqué. Ouais. Ah, en effet, hein, c'est... La Huche, pour toi maintenant, justement, pour ce genre de contenu, est-ce que c'est vers ça qu'il faut tendre vers la suite pour que tous les clubs... eSport FA et d'autres, hein, bien sûr, on va pas prendre juste le groupuscule eSport FA, mais tout le club pro, que les clubs qui ont envie de justement faire un domaine un petit peu plus une scène eSport, doivent passer par cette étape importante. Bah bien sûr, pour moi c'est obligatoire, la communication c'est un truc super important, on l'a bien vu même sur UEFA. Regarde, je vais encore Misa, il va encore rigoler, mais pour prendre l'exemple de l'eSport FA, début d'année, la communication éclatée. Et le fait que ce soit éclaté, ça donne pas envie, enfin ça donne moins envie, et c'est pareil pour les clubs. Un club qui fait pas de communication, une communication qui est éclatée, bah ça donne pas envie de le suivre, pour les sponsors de s'y intéresser, pour le club IRL de le suivre, enfin c'est un cercle vicieux en fait. Si tu fais pas de trucs, bah ça donne pas envie en fait. Donc ouais, forcément, si on veut tendre vers un truc un peu plus professionnel, on va dire entre guillemets, bah, il faudra obligatoirement passer par plus de communication, des visuels, des affiches, quelque chose. Puis même, il y a beaucoup de monde, on ne se rend peut-être pas compte, mais il y a beaucoup de monde qui suivent tous les résultats, toutes les performances. Donc, ouais, c'est important de beaucoup communiquer, surtout sur Twitter. Ouais, ça c'est pour sûr. Pour compléter ça, on est aujourd'hui dans un monde d'images. Alors, il y a eSport FA, bien évidemment, il y a le monde du e-sport, mais la société de manière générale. Et aujourd'hui, plus tu fais beau, plus tu fais attrayant, plus tu vas attirer de monde et forcément des partenaires.
Ah oui, je le sais. Hein. Depuis que je prends des douches le matin, vous imaginez même pas le nombre de femmes que j'attire. Ouais, super. Non mais ouais, je rejoins Tom vite fait, rapidement. Ouais, c'est ça, pour que la communauté, au lieu qu'à chaque fois on est là à se tirer dans les pattes, etc., qu'on soutienne, qu'on se donne de la force. Quand il y a un club qui met un tweet, un fav, ça y est, tu veux, ça coûte même pas un euro, ça te coûte rien. Ça te coûte deux secondes, tu cliques, hop, tac. Et bon, même si c'est pas ton club, tu fais hop, c'est rien. Et ce club-là, ça va le permettre de se développer. Et si tout le monde fait ça, sur tous les clubs, mais ça y est, c'est Gucci, on va tous, c'est bon, on est tous réglés. Ouais, c'est sûr que voilà, c'est au lieu de se voir un petit peu comme des concurrents sur ce domaine-là, il faudrait plus se voir comme des collègues parce qu'on a un peu tous la même idée en tête. On va partir sur ce trophée, les amis. Content Creator, the winner, it's now. Tatan, du coup, on part sur le trophée du Content Creator et c'est le Sporting Club de Lyon eSport, vous étiez plusieurs à le dire, qui justement nous présente ici son planning de la semaine. On parlera de Lyon également, du fait qu'ils aient présenté les playoffs, ils avaient trois casters pour justement cette soirée, les stats qui sont présentés également. Voilà, l'entraide avec le club de Lyon, le club réel de Lyon, où cède justement du début à la fin des arrêts de Stoumi, par exemple, les affiches qui ont été travaillées. Et voilà, félicitations à Saken et à justement tout ce club, tous les représentants. Et à Vulrak aussi. Et Vulrak aussi, oui, bien sûr. Hein. Vulrak qu'on a eu lors de Stade 2.0 et qui nous a parlé un petit peu de tout ça. Et Gomis. Qui a su convaincre le SC Lyon eSport il y a un an et demi, le SC Lyon de créer une section eSport il y a un an et demi, voire deux ans maintenant. C'est pour ça justement qu'on avait profité pour féliciter tout le monde qui était là auparavant, parce que bientôt ce sera nous, bientôt ce sera vous, bientôt ce sera eux. Au bout d'un moment, il faudra bien sûr laisser la place. Et c'est bien ce qu'on fait là pour l'instant, continuer. GK, Golden et GM, bah tout simplement, si tu veux, Neiza. C'est assez simple. Pour le GK, t'as Wissam, t'as Ace pour le Golden et t'as Royce pour le poste de meilleur GM de l'année. On a eu Samigno qu'on a encore en vocal pour le meilleur buteur. Content Creator, celui qui a fait les meilleures affiches. Petit résumé rapide. SC Lyon. Et maintenant, Misa, il me semble qu'on devait passer au passeur décisif, si je ne dis pas de bêtises. Passeur décisif, exactement. Qui est le meilleur passeur? Qui est le meilleur passeur, les amis? Comme avant, dans le chat, n'hésitez pas. N'hésitez pas à écrire qui, selon vous, est le meilleur passeur. Non, le meilleur buteur n'est pas Firmino. Eh non, on l'a dit, 92 buts pour Samigno. Il a battu des records. Maintenant, on va parler donc des meilleurs passeurs. Est-ce que, Samigno, tant qu'on y est, toi qui as été le meilleur buteur, est-ce que tu as une idée de qui a fait le plus de passes décisives? Peut-être que, justement, c'est celui qui était là à te faire tes passes à toi. Peut-être que c'est quelqu'un d'une autre équipe. Toi, ton avis? Bah, moi, personnellement, j'aurais préféré que ça soit Lens Benz. Mais bon, ça m'étonnerait. Il y a eu... je crois qu'il y a eu Diakité aussi qui a fait beaucoup de passes. Il y a eu Jessim. Il y en a eu pas mal, hein, mais franchement, te dire un nom, ça serait dur. Ouais, c'est très très dur hein, de le sortir comme ça, ce nom. Misa, hein, n'hésite pas, hein, tu nous dis dès qu'il y en a un qui a le bon nom dans le chat. Ah, j'ai pas regardé. Ouais. Ok, bah on a du. C'est Jessim. On a du Jessim. Diakité, Xtormi, Diakité. Alors c'est RMK qui a quitté combien de buts? Oh dommage, il a rajouté le combien de buts derrière qui le fait perdre justement. Ah c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il pose une question alors que justement bah il avait la réponse. Il avait la réponse et oui c'était Diakité, le meilleur passeur. Ouais, combien de passes? 39 passes pardon. Ouais. 39 passes décisives pour Diakité. L'homme à avoir à ta droite au cas où bah justement il... Faut être là, il faut tout donner. Bah, mieux vaut avoir Diakité dans ton équipe plutôt qu'en face. Voilà, le meilleur passeur. Félicitations à toi pour cette distinction. Diakité, qu'on rappelle, hein, qui s'est joué en numéro 10 ainsi qu'en numéro 9. On l'a souvent vu en numéro 10 à FDA à un moment quand Jessim était un petit peu moins présent.
C'est peut-être aussi pour ça qu'il fait partie des attaquants avec le plus de passes malgré le turnover qu'il y a pu y avoir la Huche. Je ne sais pas si justement tu avais un avis par rapport à cette équipe d'FDA. Excuse-moi, tu m'as dit quoi ? Désolé. Ouais, donc je disais que en fait Diakité, cette distinction de meilleur passeur, c'est peut-être parce que justement il tournait entre Malikas, Ace et Diakité. Diakité était souvent au poste de milieu offensif à la place de Jessim, qu'on voyait un petit peu moins au début. Et c'est peut-être pour ça qu'il a eu cette distinction de meilleur passeur, si tu avais justement... Ouais, c'est fort possible, je pense c'est même pour ça, c'est le fait qu'il joue un cran plus bas, mais il était concerné sur beaucoup d'actions offensives, et du coup ça fait beaucoup de passes D, quoi. Ah oui, c'est sûr, voilà, ben, bravo à tous ceux qui l'ont trouvé. moi, ce qui m'a fait rire, c'est le V7 qui a dit Kedo. En passe D, oui, c'est vrai qu'on en a eu plusieurs, hein. On a eu plusieurs, on se rappellera, on l'embrasse hein, d'ailleurs, on le remercie, on le salue. Et bah du coup, voilà, Misa, trois récompenses surprises qui même pour moi sont surprises, hein, je vous préviens tout de suite. Même moi je suis là, je suis en train de vous présenter une cérémonie où on va présenter des récompenses, même moi je sais même pas c'est quoi les récompenses. Même moi ça se trouve j'en gagne une, y'a quoi? Ce serait magnifique, non? On a été à l'équipe Fairplay, l'équipe Fairplay. D'accord. L'équipe fair play. L'équipe la plus fair play, du coup. L'équipe la plus fair play de cette saison eSport FA. Enfin, il y en avait plein qui étaient fair play. Hein. Ah oui. Enfin, on a choisi une par rapport un peu à. Qui a continué un petit peu dans la vision d'eSport FA malgré qu'ils n'avaient pas les résultats qu'ils attendaient. Et du coup, ben, c'est l'équipe de Fréjus. L'étoile d'accord. De Fréjus. Avec Kaïs et Egegir. Qui ont tout donné malgré des résultats décevants pour eux. Avec Kaïs et Gégir. Au top. Ouais, qui ont été les adversaires de Moustaki, justement, lors de la deuxième division. J'avais une question, Misa. Est-ce que, justement, on parle des cartons dans le fair play ou on parle juste d'état d'esprit ? Carton jaune, carton rouge. C'est sur la vision de maintenir le cap malgré les difficultés, tu vois, de ne pas ressentir de fragilité. Et voilà, c'est grâce à des équipes comme ça que eSport FA avance aussi. Ah oui, ça a dû être dur de les départager justement parce que quand on parle de ça, voilà, Brahms, pareil, et j'avais Toulon aussi en tête. C'était, voilà, ça jouait entre plusieurs équipes cette distinction. Parce que c'est vrai que Toulon, malgré le fait que. Bah, à un moment, ça allait beaucoup moins bien pour Toulon. Bah, ils n'ont pas abdiqué et justement, ils retournaient sur le terrain. Ils revenaient justement se battre comme pas possible. L'étoile Fréjus qui a été dans cette situation, l'étoile Fréjus qu'on rappelle, a été vraiment à la place. Alors, excusez mon langage, mais vraiment à la place du con. Hein, c'était une place en dessous du top 24, des 24 premiers. Parce que voilà, Trélissac a été repêché 25e en 24e position. Et Étoile Fréjus qui a été 26e et première éliminée, justement. Donc, on comprend que ça a pu... C'est ça aussi qui a joué. Et qu'ils ont continué malgré tout en Division 2 à fond, avec la promotion et tout ça, et pas de litige, et tout bien en règle. Ah oui. Ah oui, donc voilà, pour cette distinction. Trophée aussi physique ou trophée juste... Eh oui, trop physique, t'attends de l'avoir. Hein. Magnifique. Le trophée du fair play, justement. Le trophée, j'attends de voir justement, Tatane, à quoi il ressemble, ce magnifique trophée, on rappelle. Hein. Si je dis pas de bêtises, ce trophée-là, Misa, il n'avait pas été donné à Gomis l'année dernière. Il y a un an et demi, je crois, ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Voilà, donc du coup, après le SC Lyon, ce sera du côté de Fréjus que le tournoi du fair play va pouvoir se poser. Et le voilà, la poignée de main dorée, l'emoji, vous le connaissez. Eh oui, c'est vrai que voilà, il le mérite. Bravo à toute l'équipe de Fréjus pour justement leur fair play. Voilà, tout simplement. Et... La troisième récompense surprise, petite question justement, est-ce que tu préfères... on est où au Gabon? Non. Non, on est bien en France, pas d'inquiétude. Enfin, toi, tu restes en Belgique, le V7, ne t'en fais pas.
reste avec nous sur le stream parce que là, on va parler du coup de la troisième récompense et on va parler aussi du Ballon d'Or. On approche bientôt de la fin de cette cérémonie. Et oui, je sais que on vous a tenu la jambe pendant bien longtemps pour savoir qui est ce fameux Ballon d'Or. C'est dans vraiment pas longtemps. Misa, la troisième récompense, on l'a fait avant ou après le Ballon d'Or? Je pense avoir la réponse. On va demander à nous inviter. Ouais, je pense qu'il vaut mieux la faire avant, non? On finit par le Ballon d'Or, cette cérémonie de récompense, ça paraît plus logique. On est d'accord. Exactement. Du coup, la dernière distinction, c'est la distinction de la révélation Web TV de l'année sur eSport FA et c'est pour Chaban. Mais non, Chaban jure. Qui, mais non, qui jure. Reçoit cette distinction. Oh et là, ouais, là, 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 là. Mais en vrai, je savais même pas, j'ai dit. Voilà. Arrêtez, mais je vais rouler mon anniversaire, bande d'enfoirés, mais magnifique. Et voilà, magnifique. Voilà, ça tombe bien. Ouais. What a cry. Non, c'est pas celle-là. Oh là 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 là, la choucroute en haut. Ah non, il y a le mail. Ok. Ah mais voilà. La cuisine, non, la cuisine d'Annie. Il te troll, c'est pas ça, c'est pas ce trophée-là. Annie, c'est pas très alsacien. Annie, c'est pas très alsacien tout ça. C'est le truc de la Bien joué. Merci les gars. T'as vu, mais il a une grande jambe. Non, franchement, les gars. Il y a le petit pins aussi avec. Regarde, il y a un petit pins sur la photo, ça va avec. Bah, le pins, je vais le mettre là, sur le podium. Je vais le mettre sur le costard, je vais sortir, je vais mettre le pin sur le costard, comme ça on va vraiment pouvoir dire qu'il y a une tache dessus. Non, je rigole. Non, franchement, merci beaucoup. Eh oui, Miguel, même Saban, il a un trophée, pas les décès. Moi, au début, je pensais que c'était les défenseurs qui allaient être mis en évidence. Ouais, franchement, je vous jure, c'est vrai, j'ai dit le truc pour déconner, là maintenant, je sais pas où me mettre. Franchement, je sais pas, je suis... Ça me fait plaisir. Ça me fait seulement plaisir, hein. Merci. Ben, merci tout le monde les gars, merci, c'est la classe, c'est lourd. Eh ben nickel. Ouais, on va passer au Ballon d'Or. Exactement, hein. Gros moment émotion, maintenant c'est le Ballon d'Or. Hein. Et le Ballon d'Or, crois-moi, hein, ils étaient beaucoup, hein. Ils étaient tellement de prétendants, ils avaient tellement envie tous de le gagner, les 30 vainqueurs du Ballon d'Or. On va partir là maintenant, bah, comme tu avais prévu, hein, Misa, depuis le début, tu l'avais bien proposé, ça s'est bien lancé. Ouais. Un top 5, et on va monter progressivement. Ça vous va, les gars? Et on me dit aussi que les tots, ça se passe demain sur les réseaux, ouais, il me semble. Ouais. Ouais, les tots, demain sur les réseaux, du coup. Demain, Twitter, les tots. Et c'est parti. Du coup, pour les 30 nominés. Pour le trophée de AC, là, il était nominé hein, pour le trophée du fair play. Mais malheureusement, c'est Fréjus qui est passé devant lui. Ah oui, vous voyez, hein, pour l'instant, ça s'enlève. Kiri, Braclo, il y aura Polienko également qui va sortir de cette liste des 30. Le quatrième qui sera... Personne d'autre que Karma, justement. Karma, ainsi que Wisco. Qui sont les 5 premiers éliminés de cette liste. Déjà, des très gros noms, les amis. Oh, Polienko, ouais, alors qu'il était, on le rappelle, hein, c'est le tenant en titre du Ballon d'Or. C'est surprenant, parce qu'il a quand même fait une grosse saison hein, avec Orks. Ouais, il a fait une très grosse saison avec Orks tout de même. Maintenant, je me souviens aussi de certains moments où c'était un petit peu plus compliqué, surtout dans les matchs importants où on a vu plus ses collègues que lui-même, hein, surtout sur des séances de pénalty. On l'avait lors de Stade 2.0, il nous a dit que les pénalty, un peu compliqué pour lui dans le jeu, c'est un peu moins bien aussi que FIFA 20, il va tout donner pour rattraper son niveau. Mais, ça a été un petit peu sec, on va dire, parce qu'il y a Polienko qui a gagné le Ballon d'Or, qui sort, il y a Braclo qui est vainqueur du Golden Boy de l'année dernière, qui sort, et t'as Kiri, vainqueur de Golden Glove, qui sort, et t'as Juanito, le plus gros facteur clé de FA 20, qui sort, et t'as Torsi, chose, hein. champion FDA, qui sort. C'est Siaovic aussi, c'est le niveau. Hein. Voilà, justement, on continue sur cette liste. Hein. Juan, Torsi, Siaovic, ainsi que Riyad, qui occuperont la 22e position de ce classement. C'est dingue, mais après, voilà, hein, quand on sait que ils sont encore totalement énormément hein, devant eux, on passe direct à la 16e place à égalité. Hein.
Mais 16ème Dix, place à égalité, ouais. Demande, c'est quoi ce bail? C'est bail de quoi? Et ouais, Dix, c'est Koh-Lanta. Ouais. C'est le dernier survivant. C'est le dernier survivant. On a les images hein, par la suite, t'inquiète pas. Mettez les têtes, non, ouais, les têtes vont arriver par la suite. Et donc, du coup, on en était à la 16ème position avec Bunny, Firmino, Malikas, Geronimo, Soso, ainsi que Brian Toffin qui seront du coup à la 16ème place de cette liste pour les Ballons d'Or. 16ème place, Brian Toffin, Soso, Geronimo, Malikas, Firmino, Bunny, là encore, hein, une grande salve de joueurs à grand talent. Hein. On pense notamment à Brian Toffin qui joue en 1v1, un sacré niveau, qui a été présent lors des finales, hein, on en a parlé beaucoup de ce joueur, Soso aussi, qui a beaucoup fait jouer ses collègues, peut-être un petit peu trop par rapport à lui-même, c'est peut-être aussi pour ça le travail de l'ombre, qui ne paye pas forcément, Geronimo, qui peut-être aurait pu continuer avec une meilleure Q1, une meilleure Q2, espérer une meilleure place. Maintenant, bon, il a quand même été très très fort, hein, surtout en Q2, il me semble, il a quand même fait la finale. On va passer à la 13ème position, ils sont 3 en 13ème position. On a tout d'abord le défenseur d'FDA, AK59, très très bon. AK justement, on l'a vu hein, durant la finale, il a été magnifique. Pas loin du statut d'MVP des finales, pour je peux vous le dire. Hein. Ilias aussi, Ilias qui n'est vraiment pas mauvais et qui mérite cette 13ème place. Ainsi que Boxster. Alors Boxster, les gars, je sais qu'on a des avis un peu différents, mais on s'accorde à dire que cette 13ème place est pour lui aussi tout à fait méritée. Oui, c'est mérité, mais après, quand on voit le Golden Boy, il est 16ème, et là, Ballon d'Or 13ème. Oui, mais on l'a dit déjà au Golden Boy que c'était pas censé être sa place, 16ème. Oui, moi je le disais, mais pour dire que les votes ont été un peu bizarres, ouais. Je pense. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est sur ce point-là, c'est pas forcément tout à fait logique. Mais bon, c'est les joies des votes. Hein. On va passer à la 11ème. 11ème à égalité. On va retrouver deux personnes qu'on a citées précédemment dans d'autres nominations. On a Jessim ainsi que Picsou, les amis. Jessim et Picsou qui sont présents. On a les points. 4, 5, 6. Ah, on peut même continuer, hein, parce que... Ouais. 10ème, Samigno. 9ème, c'est Lucas PRS. 8ème place, on a Capone. Et après, tac-tac, ouais, c'est donc pour la 6ème place à égalité. À égalité, à la 6ème place, on a un milieu défensif et un défenseur qui se sont joués l'un face à l'autre. Hein, la paire Capone-Zoug. 8ème Capone, Zouk 6ème qui ne se lâche pas. 6ème, c'est également la place du plus grand malchanceux des finales. On va l'appeler comme ça. A.k.a. OBP. OBP hein, qui a un record hein, en termes de défaites en finale. On est dans le top 5. La mise à justement, on va parler un petit peu de cette liste. OBP qui se classe premier en dehors du top 5. À égalité avec Zoug, le MVP des finales. Des places justement. Pour moi, ils sont à la bonne place. Ça reste des postes. Zoug, il a eu. J'ai les points, hein, si tu veux. Ouais. Zoug, il a eu 12 points. Ok. OBP aussi, hein, du coup, ils sont à égalité. Et Capone, il a eu combien de points? Pour voir la différence entre lui et. Entre les deux et le 8ème. Capone, 9. Capone, 9. On peut donc faire 3 points quand même. Avec Kiri. Kiri, donc, qui a fini 30ème. Kiri, qui a eu 0 points. Braclo, 29ème, 0 points. Polienko, 26ème. Enfin, dans Braclo et. Enfin, c'est tous sur égalité. Polienko, ouais, 0 points. Ouais, c'est ça. Quelle sonne. C'est une grosse année. Et la musique. Et la musique, les gars, ils ont pas entendu les points. Ouais. Mais du coup, comment tu te basais par rapport à ceux qui ont 0 et 0? Genre, tu vois, c'est moi, je sais pas. Moi, ah non, moi je les ai mis à égalité. Non, les a à égalité. Ah, ouais, okay. Ok. Le son, les gars, le son, Matan.
Alors, du coup, on reprend. Du coup, Kiri, Braclo, Polinko, ils sont 26e à 0 points. Ensuite, on a Karma, 0 points. Wisco, 0 points. On a Juan après. Là, ça commence à 1 point. Un point pour Juan. Torsi, 1 point. Riyad Savovic, 1 point. Benny, 2 points. Firmino. Aussi. Ouais. Firmino, Malikas, Geronimo, Soso et Brian Toffin sont tous à 2 points également, hein, c'est bien ça ? C'est ça, c'est ça, exactement. Et après, c'est et les 13e. Aka qui a 3 points. Ilias. Boxster. 3 points aussi, Ilias. Boxster. 3 points également, Jessim. 4 points pour Jessim, comme pour Picsou. Exact. Et puis on arrive à Samino. On arrive au top 10, top ouais, 10. Tout à fait. L'on déplace à Azek, l'avait mis hors top 10 sur les réseaux. 7 points pour Samino. C'est vrai, c'est vrai. 7 points. Lucas PRS, 9e. 8 points. 8e, Capone. 9 points. Zoug, on l'a dit. Ouais, Zoug et OBP, du coup, c'est 12 points. Et après, donc, on a donc ce top 5 composé de joueurs de Orcs et de FDA. Comme on a dit, hein, tout simplement, il me semble, Tamino est le seul joueur hors Orcs et FDA du top 10, si je ne dis pas de bêtises. Hein, Donc voilà, c'est parti. On va tout de suite s'enlever le suspense pour ce top 5. Ce classement du Ballon d'Or, ISPAREF à 21, en tout cas quoi qu'il arrive. Sachez que cette année, ça a été la régalade. Même s'il y en a qui pensaient avoir un trophée, qui pensent pas forcément avoir le trophée, qui pensent que c'était son pote qui avait le trophée. Félicitez-vous, vous avez passé une année magnifique, tout simplement. Et on va partir sur ce magnifique top 5. Le cinquième, tout simplement, de ce Ballon d'Or, c'est Tom Excellence, le défenseur de Orcs, qui a été un véritable mur. Et qui a permis la grande épopée de Orcs, que ce soit dans toutes les compétitions, hein, tout simplement, qu'il a pu représenter. Bravo à lui, 5e au classement du Ballon d'Or. Avec 13 points. 13 points pour Tom Excellence. Ouais, 4e place. 4e place, c'est tout simplement le V7. Le V7 qui n'avait pas encore vu son nom, qui était content, et qui voilà, se positionne en dessous du podium, juste à une marche du podium, mais qui aura tout de même fait une belle saison. Voilà, lui qui était 3e, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière au Ballon d'Or, qui cette année se classe à la 4e place, régulier de Valentino. Et 3e place. Aussi. On voit après les points, ça ne dérange pas. Donc 3e point, 3e place, voilà, Diakité. Diakité avec FDA, qui est donc le meilleur passeur de d'eSport FA cette saison. Diakité qui aura quand même mis des buts, qui aura offert des caviars, qui aura fait pas mal de choses cette année pour l'équipe de FDA et qui aura gagné pas mal de titres. La deuxième place qui va être juste avant la victoire, c'est Wissam. Et oui, on le savait, ça se jouait entre Ace et Wissam. Finalement, Wissam, le gardien de Orcs, qui se retrouve à la deuxième place, on le voit là sur cet arrêt réflexe, sur la reprise de volée de la pêche face à Grasse. Wissam, deuxième. Félicitations au gardien de Orcs. Il repart avec le trophée de meilleur gardien et de deuxième du Ballon d'Or. Parce que le premier, c'est lui. C'est la perdasse. C'est le Ace. Il est là, il est présent. Il est impossible à détrôner sur cette année. Ace a été magnifique, présent sur les matchs importants. Présent à la fois pour ses coéquipiers également. On ne peut rien dire sur la qualité de ses prestations sur chaque match qu'il a pu fournir. Ace, félicitations à toi, tu es officiellement le Ballon d'Or eSport FA 21. Voilà, donc du coup, on va parler des points. Tom, parmi ce top 5, à quel point c'était serré? À quel point c'était Désolé, serré. J'étais en avant. Je sais, hein, t'avais envie de les donner ces points. Je sais que voilà, Tom Excellence et le V7 étaient à égalité finalement, à la 4e place. Ils sont partis avec combien de points du coup?
13 points tous les deux. Alors que OBP et Zougre en avaient 12. À un point près, vous imaginez. Mais bon, ce sont les joies du vote, justement. Et bah, ce podium, hein, Ace, Wissam, Diakité. Diakité qui est troisième avec combien de points? 25 points pour Diakité. Voilà, donc on voit bien la différence déjà entre la quatrième et la troisième place. Entre justement Tom Hercellence et le V7, les compères de Orcs et Diakité, le meneur de jeu et attaquant des frères d'armes. Wissam, le portier des Orcs, deuxième, avec combien de points? 44 points, un bel écart avec Diakité. Et là, ça s'envole. Hein. 44 points et Ace, combien? Et Ace, 64 points pour Ace. Ah ouais, donc c'est vraiment... voilà, c'est une victoire. Hein. C'est une victoire... sans contestation, autant c'est serré sur le bas du classement comme on pouvait s'y attendre, autant en haut. Les ordres ont déjà été plus ou moins préétablis, les amis. Félicitations à tous ces joueurs qui ont été cités. Là, vous avez bien sûr l'affiche de Siaovich qui a terminé 22e au classement. Non, pardon. Si, ouais, je ne dis pas de bêtises. Tout comme Riyad, tout comme les autres. Toutes ces places au Ballon d'Or qui ont été très difficiles à mettre en place, jeu de mots. Et voilà, hein, donc bravo à tous les joueurs. Samigno, je ne sais pas si tu es encore dans la conversation. Si, il est encore là, ok, super. Il est encore là, cette dixième place. Je pense que voilà, tu es content d'être le premier en dehors de Orcs et FDA dans ce classement. Ouais, bah ça fait plaisir de sortir la tête de ces deux gros clubs, on va dire. Mais ouais, franchement, je m'y attendais pas au vu de la saison mitigée, on va dire. Mais ouais, ça fait toujours plaisir. Mais dans le top 10, quoi. On dit merci à AZ, on n'oublie pas. On n'oublie pas, justement. Il y a eu justement votre petite accartade, on va dire, où ils ne te voyaient pas dans le top 10. C'est une belle réponse, justement. Ouais, non, franchement, ça fait plaisir. Ouais, et voilà, on a du monde qui arrive. On a Wadey. Wadey, salut à toi. Ça va? Oui, Tom, vas-y. Juste un mot, peut-être pour donner les récompenses qu'a eu Ace cette saison. Parce que c'est hallucinant. Et pour montrer à quel point c'est mérité cette première place. Dans la Team of the Week 2 de la White Champions en EFL Q1. Team of the Season de la Gold Champions de la Q1, quatre fois dans la Team of the Week en Conférence Saphir, en Team of the Month March de l'EFL Champions Emerald, Team of the Season de la Saphir, plus le titre de champion de EFL. C'est hallucinant pour un joueur comme ça. Et pour une première saison, on l'a dit, puisqu'il a gagné le titre de Golden Boy, c'est largement mérité. Ouais, en effet, pour une première saison, c'est tout simplement splendide. On a hâte de voir si il va pouvoir confirmer l'année prochaine, bien qu'il sera bien plus surveillé. On ne sait jamais comment le jeu va évoluer aussi de son côté. Vous voyez ici, justement, les affiches qui défilent. Sam, le gardien qui a terminé deuxième, et Ace, du coup, premier. Wissam qui doit être un peu déçu hein, aussi de cette deuxième place. Il avait des chances d'obtenir cette place de premier au Ballon d'Or. Malheureusement, je pense que tout s'est joué sur cette finale. Si je ne dis pas de bêtises, Moustaki, je pense que vraiment voilà, ça a dû se jouer sur la finale et sur la victoire lors de ce main event. La victoire, je ne sais pas si ça y joue, mais je pense que Ace, quand même, au vu de ses prestations méritent. Après, on ne peut pas comparer un attaquant et un gardien, malheureusement, hein, comme dans le football moderne. On sait bien que les gardiens, c'est compliqué pour eux de se hisser en haut du classement, mais Wissam a réussi à le faire, donc bien joué à lui. Ouais, mais maintenant, imaginons le scénario où Wissam aurait fait un match, il aurait sorti des arrêts lors de la finale et empêché l'équipe de FDA de gagner peut-être le premier match et de les empêcher de faire cette dynamique positive du 3 victoires d'affilée. Ça aurait pu jouer aussi, si la finale était peut-être un petit peu plus serrée, le résultat final aurait peut-être été un petit peu plus serré que ce 3-0 match sec. Je pense que Wissam aurait pu gagner ce titre de Ballon d'Or s'ils avaient gagné 3-0 et que Wissam avait fait une finale extraordinaire.
Ah oui, et Presco qui nous dit qui finit l'année prochaine pour devenir numéro 1 au Golden Gloves. Il va en profiter. Hein, et bah, les gars, ouais, pas de soucis. Hein, allez-y. Allez-y, profitez-en. En tout cas, sachez que voilà, ça a été un réel plaisir d'animer cette soirée des Ballons d'Or avec vous tous, avec justement toutes les personnes qui ont pu venir dans la buvette, qui ont pu discuter avec nous. Je pense notamment déjà à Samigno et à Lahuche qui sont venus et qui nous ont permis d'avoir un avis un peu plus d'insiders. Merci à vous, c'est vraiment la classe. Ouais, y a pas de problème, merci à vous, à tout le staff, pareil, genre même si je suis du staff, merci, bravo à tout le staff pour ce qui a été fait cette année. Et voilà, ça a pas commencé super bien avec la communication éclatée, mais au final on a bien fini sur une bonne note. Je te promets, on fera mieux pour le début d'année prochaine, on va gérer cette qualifiers 1. Salut tout le monde. Yes, salut Elias. Il me semble que c'était bien lui qui a parlé. Oui, c'est ça. Voilà, comment ça va? Toi qui viens en fin de d'émission, qu'est-ce que t'en as pensé justement de toutes ces récompenses? Elias? Je crois qu'il sait pas de quoi tu parles. Ok, bah du coup, bah, je te remercie en tout cas. C'est la classe d'être passé. J'espère que tu vas bien. C'est le principal. On en profite, hein, Samigno, du coup, pour toi, bah, merci d'être passé. Bravo pour ce titre de meilleur goleador Pichichi eSport Tefa. Il fallait le dire avec l'accent aussi, même s'il est rincé comme pas possible. Ouais, mine de rien, malgré que c'était une saison, on va dire, de transition, etc., vous avez fait du bon taf. Et merci à toi, hein, Saban, d'avoir sorti le costard. Ça fait plaisir. Il fallait, t'inquiète pas, j'ai même pas envie de me lever. Si tu savais qu'il y avait le jogging en dessous, tu. Non, je rigole, les amis. Yes. Non, merci à toi, ça va. Yes, merci à toi d'être passé. Merci à vous tous. Merci à mes gars, hein, tout simplement, ceux qui m'épaulent la majorité des dimanches maintenant. On pense notamment très fort à Petros, qui en pleine période d'examen. Et qui va tout simplement les réussir comme pas possible, on lui souhaite. À Tom et à Moustaki qui nous épaulent chaque jour, justement, qui ont des avis très éclairés et qui font toujours plaisir à être entendus. Merci Moustaki, merci Tom de votre présence ce soir. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci à toi. Et à l'année prochaine, les gars. Ouais. Amisa qui est passé furtivement. Qui est venu m'épauler un petit peu aussi pour présenter cette cérémonie. Lui qui connaît eSport FA comme sa poche, étant donné que c'est sa poche. Voilà, soyons précis. Ayu qui a coaché Domingo, on en a parlé en début de saison, qui devait présenter cette cérémonie. Qui présentera toujours sur eSport FA l'année prochaine, on le souhaite. Hein, sa voix mémorable, ses moments d'anthologie de commentateur. J'ai besoin d'apprendre encore, Ayu. On t'attend avec plaisir, hein, comme d'habitude. Merci à Tatane pour la Real, sans qui tout ça, ça aurait pas pu être possible. Et à vous tous dans le chat qui étaient encore présents ce soir pour cette cérémonie. Et voilà, on a fait le tour au vainqueur. Et bah, on en profite. Hein. 23h45, c'est le moment de vous dire passez une excellente soirée, les amis. Voilà, on va arrêter Domingo. Vas-y, avec plaisir. Ouais, c'est rapidement, vu que la saison elle est terminée, ça y est, le staff, tout ça c'est terminé. Les gars, il y aura pour ceux qui restent sur le chat, il y aura forcément une campagne de recrutement pour le staff l'année prochaine. Je pense Misa, il en parlera plus tard. N'hésitez pas à venir, ça file un coup de main, même si vous êtes sérieux, investi, quelque chose. Même si c'est juste pour faire une édite d'un PSD, que ça soit une fois par semaine, ça file un gros coup de main et ça libère à des gens. Je vois par exemple Florian, il avait du gros travail cette année. Il a été sur-sollicité à mon goût par certains clubs. Donc n'hésitez pas à venir filer un petit coup de main, c'est toujours ça de prix. Même si c'est juste 10 minutes dans la semaine, c'est ça de prix. Ouais, tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai qu'on commence à être de plus en plus nombreux au sein du staff. Mais c'est mieux d'être de plus en plus nombreux pour pouvoir bien se dispatcher le taf, parce qu'il y en a encore beaucoup plus. Vous imaginez, plus on grandit, plus on veut être exigeant. Et plus l'exigence demande des qualités et du temps. Et voilà, sachez que voilà, on passe énormément de temps pour que tout se passe bien.
Et chaque manager aussi le fait de son côté, des joueurs qui viennent, qui s'investissent. S'il y a du monde qui souhaite s'investir également, vous êtes les bienvenus. Merci là juste pour ce message, hein. C'est très très important, oui, t'as bien fait d'en parler. Et voilà, du coup, on est bon. Si quelqu'un avait un petit message de fin, Moustaki, une petite blague peut-être? On n'a pas révisé. Non! Non, parce qu'il y a Tatane, il m'en a fait une bonne en pensant à toi. Ah ouais? Ouais, mais je vais te la dire. Non, on peut pas. Écoute, ça change un peu au moins. Et merci en tout cas. Ciao, ciao! Ah, il a pas voulu. Ah, mais il a déjà raid. Ouais, il a déjà raid. Ah, ce bouffon. Thank you.